Bonsoir les Nuréens, soyez les bienvenus sur votre média. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle soirée en compagnie de notre professeur d'histoire préféré, Michel Desailly. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette émission. Alors, avant toute chose et avant que nous ne l'accueillions sur l'antenne de Nuréa, vous avez dû vous demander pourquoi est-ce que ce soir je n'ai pas partagé l'affiche de l'émission pour démarrer. Tout simplement parce qu'on avait vu un petit peu large et que ce soir, la période historique sur laquelle va se développer cette émission sera un petit peu moins grande que ce qu'on avait prévu. Du coup, il y aura un nouveau visuel, un nouveau titre pour cette émission, pour que vous puissiez la retrouver plus tard sur le site ou sur YouTube. Je préfère vous en informer. Et du coup, pour pas vous induire en erreur, on n'a pas partagé cette affiche-là. Mais ce soir, c'est bien une émission consacrée à l'histoire secrète et ésotérique de France. Et on va s'intéresser particulièrement ce soir à la période de la Renaissance. Mais ça, Michel vous l'expliquera bien mieux que moi. Autre petite chose, les amis, je vous rappelle, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui apprécient les émissions Nuria TV et qui les suivent régulièrement, vous abonner à la chaîne YouTube. Vous abonner aussi, si vous le souhaitez, à la newsletter directement depuis notre site internet, www.nurea.tv, ce qui vous permet d'être informé de tous les contenus qu'on met à votre disposition sur la toile. Et puis autre chose, pour celles et ceux qui suivent les émissions depuis YouTube, si vous voulez participer au fil de discussion, poser des questions, échanger avec les Nuréens sur le fil de commentaires. Ce n'est pas sur YouTube que ça se passe pendant les directs, mais sur le site www.nurea.tv et on utilise l'application Facebook pour les commentaires. Donc, si vous avez un compte Facebook ou si vous avez le temps d'en créer un, n'hésitez pas à nous rejoindre www.nurea.tv. Vous cliquez sur la fiche de l'émission et tout en bas de page, vous retrouvez tous les Nuréens. Je vois qu'ils sont déjà nombreux. Il y a Togiro, Laurent qui est là. Octave qui nous dit bonsoir tout le monde. Enchanté de retrouver Michel Desailly, grâce à qui, j'en suis sûr, nous allons apprendre plein de choses aussi intéressantes que surprenantes sur une histoire qu'on croyait pourtant connaître. Je suis fan. Merci d'avance Nuria TV pour cette chouette soirée une fois de plus. Je reprends mon souffle, mais merci beaucoup Octave. Je sais que vous êtes nombreux à partager ce que nous a dit Octave ce soir. On va certainement apprendre des choses. Cette histoire de France, on la connaît tous plus ou moins bien, hein, ça dépend des personnes. On n'a pas tous été très assidus au cours d'histoire, mais ce qui est sûr, c'est que même si vous la connaissez bien, vous allez apprendre des choses ce soir et que on va essayer de voir l'autre revers de la médaille et pas forcément celui qu'on trouve dans les livres officiels. Voilà, ceci étant dit, je vais arrêter de blablater en direct et tout de suite, on va accueillir Michel sur Nuria TV. Bonsoir Michel, comment vas-tu? Eh bien, bonsoir, ça va? Quelque peu débordé comme d'habitude, mais Toujours un emploi du temps de ministre. bon, voilà, toujours un emploi du temps de ministre, et puis, mais toujours à la disposition de Nuria TV quand même. Ben, Voilà, merci beaucoup une nouvelle fois d'accepter nos invitations. pour la poursuite de cette histoire secrète de la France qui est un véritable morceau de bravoure, parce que finalement, je crois que ça sera en 5 épisodes et non pas en 3, comme j'avais prévu au début, parce que bon, emporté par mon élan, j'ai toujours tendance à développer certaines choses et donc on rallonge un petit peu la sauce, comme on dit, quoi. Donc voilà, surtout que bon, le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est des gros morceaux en ésotérisme, quoi, par rapport à la révolution industrielle du 19e siècle, où bon, il y a moins de choses, quoi. Évidemment. Mais bon, finalement, tout ceci est un mal pour un bien, puisqu'on aura plus d'émissions sur l'histoire secrète de France avec toi, peut-être un Merci. peu plus étalées dans le temps. Et d'ailleurs, il y a Togiro qui dit, tant mieux, une conférence en plus avec Monsieur Desailly, cool. Donc voilà, tu vois, on fait des heureux finalement en rallongeant un petit peu ce que nous avions prévu à la base. Bon, ben alors voilà, c'est très bien, quoi. C'est Alors parti. ce soir, on va repartir à peu près où nous avions laissé cette histoire de France, puisqu'on avait terminé le dernier épisode avec la guerre de 100 ans et le Jeanne d'Arc brûlée, soi-disant, sur le bûcher. On a vu la dernière fois que c'était peut-être pas aussi évident. Et donc ce soir, on va s'attaquer à un gros morceau, tu l'as dit tout à l'heure, la Renaissance. Je te laisse en préambule nous expliquer ce qu'on va voir ce soir et puis essayer de nous placer dans ce contexte-là. Bien d'abord, merci encore de m'inviter. Bonsoir à toutes les Nuréennes et Nuréens qui sont présents, et très 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 nombreux. Preuve que le sujet en question les intéresse. Et puis, comme c'est la journée du droit des femmes, ben, les Nuréennes sont bien sûr privilégiées parce que on pense beaucoup à elles. Ah ben tu fais bien. Et tu vois, je n'y ai pas pensé. Merci beaucoup, Michel. Tu es un gentleman. Merci. Mais que bon, la tradition est favorable aux femmes, hein, comme toutes les fées, des légendes, et l'amour courtois et autres grandes égéries le prouvent.
dans l'histoire. Là, la Renaissance, on a encore quelques très belles et célèbres madames. Voilà. Donc, on va reprendre donc à 1453, qui était la date officielle de la fin de la guerre de Cent Ans. Donc, c'est un petit peu compliqué de présenter cette histoire de France. Parce que à l'école c'est simple, hein. Il y a des programmes, il y a des leçons et l'histoire est chronologique. Alors on peut faire là une histoire chronologique, je vais raconter le 15e siècle, le 16e, le 17e, le 18e siècle, mais aussi on peut faire une histoire thématique, hein, c'est-à-dire qu'il y a par exemple l'alchimie, ben l'alchimie n'est pas d'un siècle, elle couvre tous les siècles, c'est parti d'Égypte. Voilà, au Moyen Âge, il y avait déjà l'alchimiste, il y avait le fameux Nicolas Flamel, célébrité en Occident, mais il y a des alchimistes au 16e, au 17e, il y a même encore des alchimistes au 20e siècle. Donc le fameux Fulcanelli dont on parle beaucoup, hein, c'est le début 20e siècle. Donc là, quand on traite ce sujet-là, c'est pas spécifiquement Renaissance, hein. Donc on pourrait faire même une présentation thématique, l'astrologie, la magie, la littérature, l'architecture, et à travers plusieurs siècles, hein. Donc, alors en histoire, pour parler d'histoire officielle, on divise l'histoire en quatre périodes. Il y a l'Antiquité, c'est depuis l'invention de l'écriture jusqu'à la fin de l'Empire romain. Le Moyen Âge, c'est à la chute de l'Empire romain jusque justement 1453 ou 1492, donc en gros la Renaissance. Et la période qu'on appelle moderne, ça s'appelle moderne, qui va de cette période-là, donc milieu du 15e siècle jusqu'à la Révolution, la veille de la Révolution. Ça s'appelle en histoire la période moderne. Parce que quand on a étudié cette période-là, mais il n'y avait pas encore la période contemporaine qui va de la Révolution à nos jours. Donc les deux derniers siècles, ça s'appelle de l'histoire contemporaine, et la période entre le Moyen-Âge et la Révolution, ça s'appelle période moderne. Et cette période moderne englobe la Renaissance, le 17e et le 18e siècle. Donc dedans, il va y avoir aussi bien la Renaissance, le règne de Louis XIII, Louis XIV, et la philosophie des Lumières, Louis XV, Louis XVI, et ça s'arrête en 1789. Ça, c'est pour le cadre historique. Forcément, il y a une période très, très importante de notre histoire qui s'appelle la Renaissance. Je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. Bon, ça tombe sous le sens qu'il y a quelque chose de nouveau, bien entendu. Donc, je présentais la Renaissance en soi et ce qu'elle a de très, très positif et négatif. Parce que bon, il y a des choses un peu comme le Moyen-Âge, il y a des parties... triste, ténébreuse, violente, et puis il y a des aspects fastueux, bien entendu. Avant de revenir après au règne de Charles VII, au déroulement de l'histoire. En gros, je veux présenter la période globalement avant de revenir à Jeanne d'Arc et Charles VII et un petit peu suivante, et enchaîner avec la suite. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc cette période, je rappelle aussi. C'est très, très important parce que ça s'oublie un petit peu que toutes les conférences sur l'histoire secrète de la France qui parlent un peu beaucoup des aspects ésotériques se replacent dans la thèse de la tradition primordiale qui est la décadence cyclique des temps où on passe de l'âge d'or où tout était pur, transcendant, où la caste sacerdotale était au pouvoir, où toutes les valeurs étaient respectées, des humains étaient honnêtes, respectueux, nobles, purs, tout ce qui s'ensuit. Avant, alors c'est peut-être très symbolique, hein, ça n'a pas eu lieu dans la réalité, mais enfin, un âge d'or, paradisiaque, d'où les thèmes du paradis merveilleux, où là, bien sûr, la nature n'est pas polluée, les hommes vivent selon les lois de la nature, etc. Et après, on passe à l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Alors, quand on est dans l'âge de fer, c'est l'inverse. Donc, tout est sombre, tout va de travers, il n'y a plus aucun respect de rien, plus de respect des personnes, plus de respect des lieux. Et on voit bien, pour la Terre, en écologie, où on en est, mais en voulant bien faire. Hein, c'est-à-dire qu'on on a tout pollué, mais on a pollué en voulant faire de l'industrie, donner à manger à des milliards d'humains, ouvert des galeries de mines dans tous les coins, pomper tout le pétrole, puis on a tout ce qui va avec, c'est-à-dire la marée noire, le déboisement, le réchauffement climatique. Donc, au début, on parle d'une bonne idée, et puis on arrive à l'inverse
de ce qu'on avait prévu dans l'idéologie. Le progrès, on n'est pas là finalement. Voilà, alors justement, ce mot progrès qui est fantastique, parce qu'on l'emploie tous les jours, il est justement parti de cette époque-là. Avant, les sociétés étaient figées, on vivait 10 ans de suite de la même façon, 20 ans de suite de la même façon. Si on prend par exemple l'histoire romaine qui a duré des siècles, ben, on a l'impression quand on voit un sénateur romain en toge, un général romain et les légions romaines, que du début, donc les Romains à la fin, c'était toujours pareil. Alors qu'à notre époque, chaque année, il y a une bonne nouvelle, etc. Donc, comme je disais avant, c'était lent, les transformations de la société se faisaient sur des siècles, et à partir de la Renaissance, on a tout accéléré. Donc, il y a la vitesse, donc ça change, donc c'est bien. Bon, alors, ça peut être réservé. Donc, pour revenir à la tradition primordiale, comme toutes ces périodes-là, même l'Antiquité, hein, se replace dans l'âge de fer. On était déjà décadent du temps des Grecs et des Romains. Bon, et au Moyen-Âge, même si on a construit des cathédrales gothiques et tout ce qui s'ensuit, on a continué à descendre. Hein. Et donc, quand il y a eu Alésia, donc j'ai déjà parlé d'Alésia, quand Alésia a été rasée, eh bien, on a perdu un centre spirituel majeur de la civilisation celte en Occident. Et donc, c'est déjà ce qu'on pourrait appeler une étape de la décadence cyclique. C'est-à-dire qu'on a perdu, je l'ai déjà raconté, hein, je ne reviens pas là-dessus, on a perdu la société et civilisation dite traditionnelle des Celtes pour passer au pragmatisme, esprit constructif, juridique, etc., et comment organiser de l'administration, etc., et des conquêtes militaires romaines. Hein. Donc, quand il y a eu la fin de l'ordre templier, je l'ai raconté la dernière fois, eh bien, c'est une nouvelle étape de la décadence cyclique, parce que les templiers représentaient encore un idéal de la tradition. C'est-à-dire à la fois le courage, la grandeur, le sacrifice militaire, puisque c'était des moines soldats, bien sûr la foi, la spiritualité, les croisades, etc. Et en même temps, on sait que les templiers étaient constructeurs, hein, de je sais pas combien de commanderies, de chapelles, de bâtiments de toutes sortes, il y avait une flotte, etc. Et ils s'occupaient du transport des pèlerins, et d'un tas de choses. Il y avait un système bancaire interne, hein, pour avec des lettres de change qui permettaient de pas transporter l'argent, etc. Donc ils étaient à la fois moines, soldats, financiers, travailleurs, constructeurs, architectes, et en plus avec un ordre initiatique à l'intérieur. Donc ils avaient réussi à synthétiser comme une société entière dans leur propre ordre de chevalerie. Et donc quand Philippe le Bel, le roi du pouvoir officiel, et l'Église catholique qui escalait déjà déclinante à l'époque, eh bien, ont cassé cet ordre, eh bien, ils ont mis le doigt dans un engrenage de décadence cyclique de plus. Et quand on arrive à la Renaissance, on va dire, mais là, tout ça, ça va changer, puisqu'il y a une Renaissance. Donc, du nouveau, bien entendu, et du très beau, qui est symbolisé par le fameux tableau que tout le monde connaît, parce qu'il est dans tous les livres, Le Printemps de Botticelli. Donc, vous ouvrez n'importe quel livre d'histoire sur la Renaissance et un manuel scolaire. Renaissance, vous allez trouver le fameux printemps de Botticelli avec ces belles dames avec des robes fleuries et volant au vent, une forêt, un parterre de fleurs. Bon, en gros, une image du paradis. On retrouve le paradis, hein, dans ce tableau dont le nom est symbolique. Hein, parce que les quatre saisons, celle qui plaît le plus, c'est quand même un printemps. Hein, même si l'été est formidable. Pour les vacances, d'un point de vue poétique, c'est quand même le printemps qui est le plus dans les cœurs, en gros. Donc, c'était très symbolique, hein, de faire ça. Alors, curiosité, c'est que pour la tradition primordiale, c'est une accentuation de la décadence. Ce qui peut paraître toujours très curieux, en disant, ben, s'il y a un renouveau, alors pourquoi ce serait mauvais? Parce qu'il va y avoir un progrès, il va y avoir des belles choses, hein, pensez au château de la Loire, aux peintures de l'époque, et puis alors beaucoup plus de sciences, beaucoup plus d'objets, bon, etc., beaucoup plus de luxe, on ne vit plus comme au Moyen-Âge, les cours sont plus ou moins fastueuses, hein, chez les princes, etc., c'est plus des châteaux lugubres, quasiment pas chauffés, comme les vieilles forteresses, hein, dont on a vu les images la dernière fois, c'est des beaux châteaux avec plein de fenêtres, un grand parc autour comme Chenonceau. Donc c'est très beau, et on ne voit pas ce qu'il y aurait de mauvais là-dedans. Alors si on fait le bilan de cette période en histoire pure, hein, sans ésotérisme, on sait qu'il y a eu beaucoup de progrès.
au sens traditionnel, il y a un progrès démographique. La population est bien plus importante, bien sûr, 16e, 17e siècle, etc., hein, qu'au Moyen-Âge. Comme en plus, la peste noire du 14e siècle et la guerre de 100 ans ont éliminé un nombre considérable de centaines de milliers de personnes. À la Renaissance, on a senti la population repartir, ce qui a dit bon, plus de consommation, des villes plus grandes, donc on a élargi les villes, on a fait un urbanisme. Comme les villes étaient trop coincées à l'intérieur des remparts, on a construit des tas de maisons au-delà des remparts, c'est devenu les faubourgs, c'est-à-dire au-delà du bourg, etc. Puis on a refait une nouvelle ceinture de remparts, etc. À Paris, il y a eu 3 ceintures de remparts, hein, jusqu'à dernier rempart en date, etc. Donc, bon, on voit bien que ça s'est développé. Un progrès économique avec beaucoup plus de marchandises, des produits qui venaient de partout. Alors, quand on a découvert l'Amérique, bon, il y allait encore avoir plus de produits, le café, le cacao, la canne à sucre, je crois les tomates, etc., qui n'étaient pas connus en Europe et qui venaient de là-bas. Hein, donc, des produits indiens, américains. Et d'ailleurs, c'est la même période, hein, quand on a les premières découvertes et le voyage de Christophe Colomb, c'est 1492, on est fin 15e, avec déjà des bateaux qui avant étaient allés aux Canaries, avaient été jusqu'à l'embouchure du Congo, etc., avaient déjà plus ou moins établi des cartes. Bon, et alors bien sûr, tout ça additionné, l'immense commerce international, bien entendu, avec les Amériques, mais aussi on a beaucoup approfondi, on a rentré plus à l'intérieur des terres en Asie, en Afrique, etc. Il y a le fameux voyage autour du monde de Magellan. Bon, en gros, on est passé d'un petit espace réduit de l'Europe, bon, au monde, la planète entière. On aurait aussi bien découvert la Chine qu'elle existait. On savait que la Chine existe, mais très peu y allait. Il y avait des caravanes qui venaient de Chine, qui passaient par l'Asie centrale et qui arrivaient au Moyen-Orient et qui arrivaient à Antioche, en Syrie, etc. De l'Afrique, ça arrivait à Alexandrie. Donc, on avait des produits qui venaient de partout de ces continents, mais on n'y allait pas. On y allait, on pouvait acheter les produits avec des commerçants de ces pays-là. Hein. Donc, vous voyez, quand on disait les épices, elles viennent de l'Inde, on les achetait au Moyen-Orient. Et quand on disait l'ivoire, les peaux de tigre, les cela, eh bien, les bois précieux, eh bien, ça vient d'Afrique, arrivait à Alexandrie, hein, ou à Tunis, ou des choses comme ça. Alors après, là, après Christophe Colomb, puis 16e siècle, 17e, il y a eu des bateaux sur toutes les mers du monde, jusqu'en Océanie, etc. Donc, ce côté-là peut être considéré comme très positif. Il y a eu un progrès des sciences, des techniques. On a inventé l'imprimerie, hein, c'est 1450. On a pu donc reproduire les livres avant, les recopier à la main. Donc, et voilà, alors on est rentré. Et à l'époque, ça faisait, bien sûr, un effet positif, le mot progrès. Sous-entendu, toujours par rapport au Moyen-Âge, où on ne faisait pas de progrès, hein, etc. Et donc ça, tout le monde le sait. Et le mot progrès affectif, puisqu'au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, le développement des sciences, c'est le progrès. La révolution, on dit, ben voilà, on révolutionne tout, donc c'est le progrès. On est un progrès. Alors aujourd'hui, l'homme politique, on ne voit pas, il faut faire des progrès. Ça ne peut pas exister. On ne va pas dire on va stagner, on ne va pas dire on va retourner au bon ancien temps. Il faut toujours aller vers l'avant avec tout plein de progrès, hein, que chaque année soit bien meilleure que la veille. Or, dans la tradition primordiale, on vous dit l'inverse. Plus vous aurez de progrès matériel, plus il y aura une décadence spirituelle. En gros, c'est inversement proportionnel les deux courbes. Hein, c'est-à-dire, plus vous développez le monde matériel, même si c'est positif d'un certain point de vue, parce que c'est pour donner à manger aux gens, c'est pour développer la société, c'est pour faire tourner l'économie, bon, il faut bien dire que dans le même temps, on le verra très bien dans la conférence, la religion, la spiritualité, toutes les vertus, et les vertus chevaleresques passent à la trappe. Bon, ce qui n'est pas probant comme ça, quand on ne connaît pas bien le détail de l'histoire. Alors, par exemple, quelque chose qui peut être surprenant, c'est qu'à cette époque-là, on est rentré en politique, par exemple, dans la centralisation du pouvoir. C'est-à-dire, au lieu d'avoir tout un tas de seigneurs locaux, propriétaires d'un château, puis quelques villages, les grands-ducs de Lorraine, là, de Bretagne, de Provence, etc., le roi de France a voulu centraliser le pouvoir entre ses mains, en ayant l'assentiment de tous les bourgeois, de toutes les catégories de responsables ou autres, pour dire, oui, ça irait plutôt dans un seul sens, il y aurait moins de guerres, il y aurait moins de problèmes s'il y avait une direction au lieu de plein de directions.
Vous rappelez que pendant la guerre de Cent Ans, la Bourgogne avait tenu avec l'Angleterre, telle ou telle province, on ne savait pas, à un moment ils étaient du côté droit de France, à un moment de l'autre côté, en fonction de politique locale, d'agences, de relations avec des vassaux, relations avec des alliés qu'ils avaient en Italie, en Espagne, etc. Alors tel seigneur était de mèche avec la cour d'Aragon, un autre avec la cour de Castille, un autre avec la Bavière. Alors, on s'est dit, tiens, je ne sais pas faire un seul jour, mais on va mettre fin à ça, ça serait mieux un pouvoir central. Ce qui, du même coup, donnait un pouvoir plus important au roi. Et c'est là qu'on a eu cette conception-là, qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la monarchie absolue. Donc, quand on dit Louis XIV, c'est la monarchie absolue. Les révolutionnaires, en 1789, mettent fin au règne de Louis XVI et donc à la monarchie absolue. Elle n'a pas toujours été absolue. Bon, en gros, jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à François Ier, il n'était pas absolu. C'est-à-dire que le roi avait des pouvoirs, mais il n'avait pas tous les pouvoirs. Il y avait des seigneurs plus importants que lui. Le duc de Bourgogne, le fameux Charles le Téméraire, s'il pouvait faire la guerre avec Louis XI, le roi de France, c'est qu'il avait une armée, des ressources. Elle pouvait combattre. Bon, et pendant la guerre de Cent Ans, c'est un petit peu avant, quand le fameux duc de Bourgogne est rentré dans Paris, le futur roi de France, futur Charles VII, a quitté Paris en 12 pour se réfugier à Bourges. Alors ça, sous Louis XIV, c'est impossible. C'est-à-dire que le moindre grand seigneur, parce qu'il y a encore des princes, des ducs, etc., dit « bon, je vais à la Bastille tout de suite ». Donc on est rentré dans cet engrenage-là, et puis ça restait. Parce que bon, aujourd'hui, on peut pas dire notre président, c'est un absolutiste. Mais le pouvoir de notre État et de l'administration fait qu'on bouge moins de petits doigts que du temps de Louis XIV. On est moins libre dans notre vie personnelle. Si vous voyez tous les comptes que vous devez rendre à l'administration, je dirais qu'on est plus tenu qu'à cette époque-là. Donc, c'est à la Renaissance qu'on a mis un peu le doigt dans tout cet engrenage-là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de négatif aussi? Eh bien, c'est les guerres de religion. On oublie toujours qu'à la Renaissance, fameux XVIe siècle, il y a eu les guerres de religion entre les catholiques et les protestants, et qu'il y a eu chez nous, mais plein ailleurs, hein. Les autres massacres sont inconnus, fameux Saint-Barthélemy. Et on s'est dit comment une société présente comme un progrès a pu commettre finalement autant de massacres au Moyen-Âge, parce que les guerres de religion qui ont duré des dizaines d'années, et dans toute l'Europe, pas seulement en France, mais pareil aux Pays-Bas, en Allemagne, dans le nord de l'Italie, dans tous les coins, ont fait en fait plus de morts que la guerre de Cent Ans. Vu que l'armement a beaucoup augmenté, puisque là, quand on était au XVIe siècle, on avait les arquebuses, les mousquets, les canons, etc. Donc, quand François Ier fait la guerre à Marignan, il y a des canonnades terribles. Hein, c'est ce qui fait disparaître la chevalerie, parce que la charge à cheval, à l'épée, face à des batteries de canons, vous pouvez pas. Hein. On le fait quand même hein, pour le panache, puis on est complètement décimé. Donc, la chevalerie est un peu aussi mise sur la touche et va disparaître à cause des progrès de l'armement. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout un contexte. Alors on dit, vous allez quand même pas mettre la Saint-Barthélemy au compte de choses positives. Quand même pas. Donc forcément, il y a un côté négatif et presque autant de côté positif. Alors, il y a quand même un aspect très très particulier qui fait débat, c'est de dire, mais alors dans l'ésotérisme, étant donné que la religion officielle va quand même en prendre un coup, et elle en prend un coup parce qu'elle va être divisée. Donc la chrétienté va se déchirer. Donc c'est moins bon pour l'Église catholique, parce qu'il va y avoir des millions de protestants d'Europe qui la contestent. Hein. Mais est-ce que la spiritualité disparaît? Alors là, on va dire non, parce que vous pouvez pas savoir le nombre d'astrologues, le nombre d'alchimistes, le nombre de prophètes, le fameux Nostradamus, il est de cette époque-là. Et puis tout ce qu'il peut y avoir comme sorcellerie, comme etc. Donc vous avez un côté magique, mystique, ésotérique, selon que c'est noble ou moins noble, et bien qu'il ait existé. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? On verra un petit peu après qu'est-ce qui est positif et négatif là-dedans, parce que c'est pas parce qu'il y a de l'alchimie ou de l'astrologie que c'est forcément le meilleur en ésotérisme. Ah, bon, alors, il y a ça aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de sectes, beaucoup de choses particulières. Et il devait y avoir quand même pas mal de choses bizarres, parce qu'il y a eu des sociétés secrètes à l'époque. Bon, pas très clair, il faut bien le dire. Et puis, il y avait tous ces sorciers et ces sorcières. Hein, parce qu'à l'époque,
Ce qui s'est moins aussi, c'est que jamais on a brûlé autant de personnes qu'au XVIe ou XVIIe siècle. Alors on se dit, mais c'est le Moyen-Âge de brûler les gens. Mais au XVIIe siècle, mais un nombre considérable de personnes brûlées. Alors pas comme les cathares à Montségur, une hérésie entière, pas les grands maîtres templiers, mais des gens accusés de sorcellerie. Mais des milliers et des milliers. Donc en France, entre 1580 et 1640, on a brûlé plusieurs centaines de sorcières. Alors, les femmes accusées de sorcellerie. Très souvent, c'est des femmes. On est le jour du droit des femmes. Alors, 80% de femmes, bon, 20% d'hommes passés au bûcher. Alors qu'aujourd'hui, qu'on fait les études des cas, les symptômes décrits par l'Inquisition, aujourd'hui, ça relèverait de l'hystérie, de la névrose, de la dépression, etc. Mais bon, comme la dame paraissait bizarre, avait pas un comportement normal dans un village, elle était possédée par un démon, elle allait au bûcher direct. Bon, et pareil aux Pays-Bas, pareil un peu partout, hein, dans tous les pays, ça a été une vague de bûchers dans toute l'Europe. Bon, et ça, bon, ça ne se sait pas beaucoup. Donc, les phénomènes de possession, tout ça a existé, mais même quelquefois des couvents entiers possédés. Alors, l'affaire la plus célèbre, c'est celle des possédés de Loudun. Donc, je crois que c'est près de Poitiers, Loudun. Il y a une mère supérieure et toutes ses sœurs qui avaient été possédées par le démon, quoi. Bon. Alors après, oui, alors il y a eu une enquête, etc. Elle a accusé son confesseur Urbain Grandier de l'avoir envoûté, etc., etc. C'est lui qui est passé au bûcher, d'ailleurs. Bon, etc., etc. Donc, on en est là dans le contexte. Donc, tout n'est pas, c'est la Renaissance, c'est beau, c'est les châteaux de la Loire. On peut pas ramener la Renaissance à Chambord, si vous voulez, en gros. Hein. Donc, vous voyez, là, ça corrige un petit peu le, pour ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le sujet. Voilà, après ce préambule qui présente globalement la Renaissance, hein, qui dure en gros jusque Louis XIII. Hein, donc Henri IV, encore la Renaissance, après Louis XIII, on rentre dans le siècle classique, XVIIe siècle, Louis XIII, Louis XIV. Hein. Voilà, donc on va reprendre maintenant l'histoire telle qu'elle s'était déroulée la dernière fois jusqu'en 1453. Puisque 1453, la victoire de Castillon du fameux Charles VII, celui qui avait vu Jeanne d'Arc à Chinon, etc., et qui remporte une victoire éclatante contre la dernière troupe d'Anglais qui restait encore en Guyenne, et ils évacuent définitivement la France. Donc, au sens propre, la mission de Jeanne d'Arc a été réussie. J'ai été missionné pour bouter les Anglais hors du royaume de France, et c'est réussi. Alors, pas forcément spécialement que grâce à elle, parce qu'il y a tous les autres, hein, mais ça a été bien réussi. Alors, comme Jeanne d'Arc est morte en 1431 et que la guerre de Cent Ans finit en 1453, qu'est-ce qui s'est passé dans le reste du siècle, hein, c'est-à-dire la deuxième partie, jusqu'en 1500? Alors, on est toujours dans le règne de Charles VII. Il a eu un règne assez long. Et après, il y a eu d'autres personnages très très célèbres qui ont été dans son entourage. Alors, deux noms, ils sont très connus. Il y a Agnès Sorel. Donc, Agnès Sorel est très connue quand même comme, comme femme, puisqu'on est dans la journée du droit des femmes. Agnès Sorel, une célébrité locale, la maîtresse de Charles VII. Et Jacques Coeur. Alors, Jacques Coeur est un peu moins connu. Donc, ces affaires-là, d'ailleurs, une partie se passe dans le Val-de-Loire, une partie c'est Chinon. On retrouve toujours Chinon de cette histoire. On retrouve Loches, oui. C'est dans le même coin. On retrouve Bourges. On a déjà beaucoup parlé de Bourges avec la guerre des Gaulois et des Romains. On a parlé de Bourges au Moyen Âge. On a parlé du duc Jean de Berry. Et là, on parle de Bourges. Alors, que vient faire cette Agnès Sorel là-dedans? Alors, c'est une histoire assez curieuse. Donc le roi sous Charles VII, qui était assez réservé, assez comment dire effacé, qui avait les souvenirs donc de la première partie de sa vie très tout heureux, bien qu'il ait épousé une princesse d'Anjou, hein, c'est parce qu'il avait épousé une princesse d'Anjou qui est très très liée à la fameuse Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou, dans toutes les affaires que j'ai racontées la dernière fois. Bon, on ne vient pas là-dessus. À un moment, bon, dans une présentation lors d'un banquet, etc., rencontré Agnès Sorel, bien plus jeune que lui, bien entendu, qui est devenue la maîtresse officielle du roi. Alors, c'était un coup de théâtre, parce qu'on s'imaginait pas que c'était possible pour lui. Tous les rois ont toujours eu des maîtresses, mais que ça soit un statut officiel. C'est-à-dire que le roi a une favorite officielle qu'on pouvait montrer à la cour
un bouquet, tout le monde savait que c'était sa maîtresse, forcément une épousantite, que c'est devenu quelque chose qui allait devenir de soi pour après. Bon. Alors donc, on dit que cette fameuse Agnès Sorel a eu une influence positive sur le roi, puisqu'il serait devenu plus gai, plus dynamique, etc. Mais elle défrayait un petit peu la chronique à la cour, hein, parce que cette belle madame, parce que c'était une très belle madame, avait des tenues quand même un petit peu style Renaissance, mais à la fois très à la mode et très décolletée, quoi. Ce qui faisait jaser les messieurs conservateurs de la cour et le clergé, alors là, je vous dis pas. Et donc, elle jouait un petit peu ses charmes, il faut bien le dire, auprès de tous. Et en douce, on pense qu'elle était plus ou moins conseillère du roi quand même. Alors, pourquoi cette Agnès Sorel peut avoir un intérêt dans cette histoire? Parce que vous dites, bon, ça n'a pas d'importance ésotérique. Donc, en fait, elle est née en Normandie, mais on l'a surnommée la dame de Fromenteau, et Fromenteau, c'est dans le Berry. Donc, on s'est dit, tiens, il y a un lien entre le Berry et la Normandie. Et alors, dans son nom même, donc, il y a l'idée d'agneau. Parce qu'Agnès veut dire Agniel, veut dire agneau. Donc, on retrouve des histoires de moutons, de bergères, etc. Et Sorel viendrait de Sureau. Et donc, dans son blason, ses armes, il y a un arbre qui est le Sureau. Bon, pour l'instant, rien d'assez extraordinaire. Sauf que cette dame se passionnait pour Marie-Madeleine. Voilà que son idole était Marie-Madeleine. Et alors, on s'est dit, oui, mais alors, c'est à cause de sa vie privée, puisque Marie-Madeleine est en pécheresse. Puisque quand le Christ la rencontre, elle est pécheresse. Le Christ lui fait sortir un démon d'elle-même et après, elle devient plus fervente. Disciple du Christ, après elle a un rôle plus important que les apôtres, hein, puisqu'elle peut verser une huile sainte sur la tête du Christ et loindre, donc elle loint le Fils de Dieu. On se demande à quel titre on peut loindre un Fils de Dieu si on suit la religion, et elle est celle qui la première assiste à la résurrection du Christ dans le jardin, là, quand le Christ est sorti du tombeau, qu'elle le cherche, le tombeau est vide, elle tombe sur quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier, paf, c'est le Christ. Donc bon, on se dit donc c'est un personnage très privilégié, et donc on peut se dire au sens terre à terre du mot, Agnès Sorel pouvait dire je suis une pécheresse puisque je suis la maîtresse du roi, mais j'ai un rôle spirituel, j'ai un rôle encore une fois comme la France, à l'admirer Jeanne d'Arc, à dire bah tiens pourquoi pas. Donc c'est un personnage quand même qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et comme vous verrez après, comme elle a eu contact avec le fameux Jacques Coeur, on s'est demandé quelles ramifications il pouvait encore y avoir, hein. Et quand elle a rencontré le roi, eh bien c'était au cours d'un voyage en Lorraine, parce que le roi à un moment est allé 7 mois à la cour de Nancy, encore à cause de le fameux René d'Anjou dont je vous avais parlé. Donc le fameux René d'Anjou, et bien sûr duc d'Anjou, mais aussi comte de Provence, roi des deux Siciles, roi de Jérusalem, etc. Et à un moment, il s'est retrouvé duc de Lorraine, parce qu'il a épousé une Isabelle de Lorraine. Et voilà, alors c'est ce fameux René d'Anjou dont j'ai déjà parlé, qui est une célébrité de l'époque, hein, qui collectionnait visiblement les titres sans être forcément extraordinaire, parce qu'il y a des royaumes qui n'avaient pas. Hein. Il en était duc en titre. Parce qu'on peut être duc de Sicile si on peut pas y mettre les pieds, parce que les ennemis ne veulent pas voir de Français chez vous. En titre, vous êtes l'héritier de ce royaume, mais vous ne l'avez pas. D'où l'idée de la famille d'Anjou de toujours aller reconquérir ce terrain. D'où les prétentions des rois de France d'avoir des possessions en Italie et de prendre Naples. Donc on verra des rois après, quand il y a eu les guerres d'Italie, c'était de reprendre Naples. Et héritage de la maison d'Anjou. Et ce fameux René d'Anjou étant duc de Lorraine, à un moment, il a fait une guerre locale et a été fait prisonnier. Et sa femme, Isabelle de Lorraine, a demandé secours à Charles VII, qui a dit « Je vais venir donner un coup de main, voir les affaires sur place, envoyer des plénipotentiaires, et je vais passer par Nancy. » Il est resté 7 mois, donc ils se sont connus tous. Et Isabelle de Lorraine, le roi, et là, il y avait à cette cour Agnès Sorel. Donc on voit bien toujours la ramification qu'il y a entre le Berry, Paris, le roi, la Lorraine, l'Anjou, et après même la Normandie.
Donc, après des péripéties que je vous passe, parce qu'elles ne sont pas spécialement ésotériques, à un moment, le roi, toujours le même Charles VII, faisait une guerre en Normandie, et Agnès Sorel, qui a des antennes un petit peu partout, on ne sait pas si elle fait le... Comment on pourrait appeler ça ? Pas l'agent secret, mais enfin, si elle surveille un peu ce qui peut arriver à son idole Charles VII, qui paraît, elle aime vraiment... d'amour, c'est de dire qu'elle a entendu vaguement dire qu'il y aurait un complot contre lui, donc pour l'éliminer. Alors, qui peut l'éliminer ? Eh bien, le fils de Charles VII, qui sera le futur Louis XI, qui trouve que le roi Charles VII, il est un peu là trop longtemps, il meurt pas assez vite, et qui lui-même a déjà fait plusieurs tentatives de complot pour liquider son père. Il faut le faire. Les complots où tout s'était inventé, là, sans doute qu'il y en a un encore plus gros. Agnès Sorel le sait, elle n'est pas avec le roi, elle est à Bourges, lui, en Normandie, et décide d'aller le rejoindre. Donc, elle part à cheval avec une escorte, elle va là-bas. Malheureusement, elle est enceinte et c'est en plein hiver. Et à un moment, elle tombe très mal. On dit qu'on ne peut pas continuer le voyage. Elle demande l'hospitalité au premier bâtiment qu'on voit sur la route, c'est l'abbaye de Jumièges, et elle décède à l'abbaye de Jumièges. Bon, alors l'abbaye de Jumièges, c'est une abbaye bénédictine, vous la retrouvez dans tous les écrits d'Arsène Lupin sur les abbayes bénédictines de Normandie qui trempent dans les affaires de Reine de Château, etc. Et donc, bien sûr, catastrophe pour le roi, il perd la femme qui aimait vraiment, elle, bon, bah, très jeune, hein, décède. Et alors, ça fait toujours rire parce qu'il y a une dispute entre Loche, où elle avait une résidence, et l'abbaye de Jumièges qui avait le corps d'Agnès Sorel là dans les lieux. Et donc, ils ont partagé le corps. Alors, ils ne l'ont pas coupé en deux, hein, dans le sens de la moitié. Les entrailles et le cœur ont été laissés à un endroit et le corps à un autre. Ce qui fait que symboliquement, Agnès Sorel a deux tombeaux. Elle a deux tombes. C'était quelque chose de courant, ça ? Alors, c'était pas courant du tout, parce que y a pas beaucoup, même les rois de France n'ont pas de tombeau, ils ont un tombeau à Saint-Denis, ils ont pas un tombeau à Lyon et un tombeau à Carcassonne. Mais, c'était courant chez les pharaons, où il y avait deux tombeaux. C'est-à-dire un pour le corps, puis un pour le cas. C'est-à-dire le double, hein, le pharaon. Donc, quand on découvre des chambres mortuaires avec le nom d'un pharaon et que c'est vide, on dit, mais c'est la chambre du cas. Bon, etc. Alors, on dit, pourquoi un truc pareil est arrivé à Agnès Sorel? On se dit, ça n'a rien à voir avec les pharaons, quand même. Très, très peu connu. Au XVe siècle. Il n'y avait pas toute l'égyptologie et ces connaissances-là sur l'Égypte étaient très peu connues. Et c'est là, le secret ésotérique, on pense que ça fait allusion à l'histoire de Rennes-le-Château. Parce que comme à Rennes-le-Château, il y a toujours cette histoire qu'il y a deux Christ, un qui a été crucifié, un qui est resté vivant, que c'est le frère jumeau du Christ, etc. Et qu'à Rennes-le-Château, on cherche toujours un tombeau, mais le tombeau de qui ? Il y a des tombeaux en surface dans les cimetières, puis il y a des tombeaux souterrains, que ça ferait allusion à quelque chose de ce genre-là. Bon, sans avoir plus de détails et de secrets. En plus, on pense qu'on a étudié ses restes, qu'elle a été empoisonnée. Donc, sa maladie n'était pas due au froid, etc. Et on pense qu'il y a le fameux Louis XI derrière, qui détestait, bien sûr, la maîtresse de son père, qui lui avait redonné un coup de jeune à ce roi qui voulait voir disparaître, et que, bon, et puis qui, bien sûr, avait créer d'énormes soucis et d'énormes chagrins à sa mère, à lui, le futur Louis XI, de tordre le cou à cette Agnès Sorel. Et donc, c'est une histoire absolument hallucinante. Hein. Et alors, quand on a voulu, à une certaine époque, faire des travaux dans cette abbaye de Jumièges et qu'on a trouvé, bien sûr, le tombeau d'Agnès Sorel qui était là, il y avait trois cercueils dedans, il y avait un en pierre, en chêne et en cèdre à l'intérieur, et on a ouvert, on l'a déplacé, on a mis le caveau ailleurs, etc., qui a été cassé d'ailleurs par les révolutionnaires. Alors, on se demande pourquoi, qu'est-ce que venait faire Agnès Sorel dans la vengeance des révolutionnaires, mais bon, le caveau a été démoli et refait. Donc l'histoire d'Agnès Sorel est très, 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 très curieuse, à la fois mi-historique, parce que c'est un vrai personnage historique qui existait, mi-ésotérique, qu'on surnomme dans les romans, dans les livres, la Dame de Beauté. Donc, c'était son surnom. Pour une raison qui est très connue, c'est qu'elle était très belle, mais une deuxième, en fait, la première raison, c'est que le roi lui avait offert un cadeau pour la liaison, et que le cadeau, c'était le château de Beauté-sur-Marne.
Donc, il y a dans la Marne un château, dans un village qui s'appelle Beauté-sur-Marne. Donc, c'était la dame de beauté, sous-entendue de Beauté-sur-Marne. Bon, après, on a synthétisé les deux histoires. Là, c'est très, 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 très curieux. Hein, donc, le fond des choses, on ne sait pas tout, hein, parce qu'il y a des choses qui, bon, on n'arrive pas à interpréter. Hein. Alors, deuxième personnage, c'est le fameux Jacques Coeur, qui, c'est la même époque. C'est deuxième partie du 15e siècle. Alors, pourquoi citer ce personnage? D'abord, parce qu'on le soupçonne d'avoir fait de l'alchimie. Son château à Bourges, hein, donc, est disons, avec des caractéristiques alchimiques. Et alors, c'est le symbole même, hein, de, comment on pourrait dire, de l'homme de la Renaissance. Alors, pour raconter un petit peu l'histoire, il faut remonter à Jean de Berry. Le fameux Jean de Berry, c'est un petit peu avant, c'est le grand-duc de Berry, hein, celui qui était à la cour avec Charles VI, vous savez, le roi demi-fou. Là, il avait quatre grands conseillers qui étaient ses quatre oncles dans Jean de Berry. Jean de Berry s'est éloigné de la cour parce qu'il y avait trop d'intrigues, trop de. Puis bon, les trois autres voulaient plus ou moins l'éliminer. Il s'est retiré à Bourges et à Bourges, ben, il a vécu sa vie locale en faisant mécène, en collectionnant les œuvres d'art, etc., etc. Et il faisait des fêtes très, très souvent. Somptueuse, c'était la cour classique en dehors des problèmes politiques. On s'est même demandé s'il y avait encore une guerre de 100 ans en France à cette époque-là, tellement là-bas c'était à part. Et un jour, qui est-ce qui arrive? C'est le duc de Bourgogne avec son armée qui veut lui régler son compte. Parce que bien sûr, le duc de Berry tenait avec Charles VII réfugié à Bourges, donc en Berry, hein, alors que les Bourguignons tenaient avec les Anglais et autres à dire bon, on va faire le siège de l'ennemi à coquiner avec le futur dauphin qui n'a aucune valeur, parce qu'eux, ils avaient opté pour que le roi d'Angleterre vienne droit de France. Et alors, dans ce siège, bon, forcément, les Berrichons, là, ils font pas le poids face à l'armée du duc de Bourgogne, et ce duc de Berry décide de vendre toutes ses œuvres d'art, toutes ses collections, toutes ses statues, tous les bijoux, etc., pour entretenir une armée qui permet de que la ville soit pas prise. Donc ça devient un héros, bien sûr, ça l'affaiblit, ça se tracasse. À la fin, les deux négocient parce que le duc de Bourgogne se rend compte qu'il prendra jamais la ville. L'autre sait qu'il va finir par capituler parce que la population sera affamée, etc. Donc à la fin, il négocie et le duc de Bourgogne se retire en échange de quelques transactions locales, etc. Et alors à cette même époque, il y a un marchand qui s'appelle Monsieur Coeur, bon, qui vient s'installer à Bourges pour vendre des fourrures. Donc alors, parce qu'il y a cette cour fastueuse, vous voyez, c'est tout un engrenage, il y a une cour fastueuse. On peut pas venir deux à trois fois de suite comme un banquet avec le duc de Berry en ayant la même tenue. Donc ils font des dépenses absolument hallucinantes de vêtements. Et à l'époque, c'était de bon ton l'hiver d'avoir des trucs doublés en fourrure, des cols de fourrure sur le revers des vestes. Les dames avaient des zibelines, des trucs comme ça. Et alors lui, il avait trouvé un créneau sensationnel, c'est de vendre des fourrures à Bourges. Il avait très très bien réussi. Et donc, alors c'est pas le fameux Jacqueur, hein, c'est son père. Et donc, alors les fourrures venaient de partout, hein, de Pologne, de la Russie, des Balkans. Il y avait déjà un commerce international inouï de fourrures. Donc ce monsieur était devenu très riche. Il avait acheté une grande maison. Il avait essayé d'entrer dans les notables. Il n'y était pas du tout. Donc il pouvait pas rentrer à la cour, mais il connaissait tout le monde. Et donc il y a eu un fils qui est Jacqueur, qui a suivi un peu la voie de son père. Il s'est mis à faire du négoce. Et de fil en aiguille, le monsieur Coeur père. Il s'appelle vraiment Coeur, hein, de nom de famille, c'est pas un surnom, a parlé à Charles VII de son fils. Et alors, coup de théâtre, Charles VII nomme, comment dire, responsable de la monnaie de son royaume, petit royaume encore à Bourges, Jacques Coeur, avec deux associés. Ouais. Alors, bon, sous prétexte qu'il était très fort en comptabilité, déjà en finance, puis qu'il avait le flair, comme on dit, des affaires. Bon, manque de peau, au bout de quelques temps, s'est aperçu que la monnaie était trafiquée. C'est-à-dire, dans les pièces d'or et d'argent, il y avait moins d'alliages, pas moins d'or et d'argent que c'était prévu. Paf, les trois sont destitués, on n'entend plus parler de Jacques Coeur. Bon, qui cherche à faire quelque chose d'autre ailleurs. Et voilà qu'arrive à Bourges Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc est allée à Chinon, mais après, elle est allée à Bourges. Le roi a réuni son armée, ses partisans, direction Reims. Et alors, le roi fait un appel à tous les chevaliers, à toute la population, tous ceux qui veulent s'armer, de faire la grande épopée vers Reims. Donc, forcément, on fait Bourges-Reims. Et les villes s'ouvrent. Hein. Il y a en fait pas eu vraiment de combat. Quand vous voyez le roi arriver avec son armée, les villes se rendaient, ouvraient, accueillaient le roi, etc.
Et voilà que le fameux Jacquard, il a trouvé très utile de se mettre dans l'armée. Donc, il a pris une armure, etc. Puis, il s'est mis dans le cortège. Bon, il essayait de se faucher très près de Jeanne d'Arc, très près du roi, très près de la cour. Et il est arrivé à Reims aussi. Bon, et après, bon, il s'est remis plus ou moins d'accord avec le roi, parce que le roi a dit, bah, j'ai participé à l'épopée de Reims. Ah ben, je vous rétablis commis aux finances, directeur des monnaies, commis à l'intendance, c'est-à-dire celui qui s'occupait de l'organisation du palais, des trucs comme ça. Et dans cette fameuse histoire de Nancy dont j'ai parlé tout à l'heure, Jacquard y était aussi. Pour la cour, pour organiser les trucs, pour les produits, etc. Donc du coup, on pense qu'il a connu un petit peu tous ces René d'Anjou, tous ces personnages-là, et Charles VII lui-même. Et résultat de fil en aiguille, parce que je vous passe l'histoire, qui est très longue, qui n'est pas très ésotérique pour le moment, c'est qu'il deviendra le grand argentier de Charles VII. Grand argentier, ça veut dire l'équivalent de ministre des Finances de tout le pays. Donc, la progression, alors c'est pour ça que bon, ça va être un des personnages les plus riches du pays, qui va prêter de l'argent au roi quand les caisses seront vides, prêter de l'argent à tous les nobles. Et alors, imaginez ce qui se passe dans ces cas-là. Un grand seigneur est endetté, il a trop de dépenses de cour, on lui prête de l'argent, il ne peut pas rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il doit vendre une partie de ses biens. Donc, il vend un bois, il vend un carré de terrain, il vend quelquefois, il vend son château, ou s'il en a cinq, ben, il en a un ou deux. Jacquard récupère tout. Donc à la fin, il avait des maisons du côté de Lyon, un grand logis de commerce à Montpellier. C'était l'un des personnages les plus importants du pays. Hein. Alors on a jasé un peu sur lui. On s'est dit d'abord, il est trop bien avec Charles VII. Ensuite, bon, où peut-il avoir autant d'argent? Alors on dit, il fait du commerce. Bon, ben d'accord, hein, il faisait du commerce avec l'Orient, avec l'Espagne, avec tous les pays, il y avait des antennes un peu partout, 300 agents commerciaux dans tous les coins. Alors vraiment, l'archétype du financier, du commerçant, du négociant international de la Renaissance. Et là, on rentre dans le cadre des affaires, la banque, les prêts, la comptabilité, il y avait une armée de secrétaires qui pointaient au jour le jour toutes les dépenses, etc. Parce qu'à la Renaissance, on fait ça, on a commencé à avoir une comptabilité publique pour le royaume, et on a commencé à dresser de façon vertigineuse des statistiques. Bon, c'est-à-dire tout compter, et alors on rentre dans le matériel pur. Hein. Tout compter, chaque tonne de ceci, chaque mètre de tissu, chaque machin, temps de rentrée, temps de sortie, vraiment la comptabilité publique, à l'époque à la main, on n'a pas nos machines à calculer, nos ordinateurs, etc. Donc il fallait donc bien une armée de secrétaires, mais c'est là qu'on a eu l'idée de tout compter. Alors qu'avant, au Moyen-Âge, les sommes, les monnaies, un truc pareil, bon, ça avait beaucoup moins d'importance. Ouais. Et la tradition primordiale condamne les statistiques. Alors les gens me disent toujours, mais quelle idée de condamner les choses pareilles, on en a besoin. Non, parce que c'est trop matérialiser les choses, c'est trop tout compter et c'est trop tout voir sous un angle comptable. Comme en plus l'Église condamne le prêt à intérêt, alors là... Alors, on ne sait pas si en tant que grand argentier, il a détourné des fonds, mais bon, toujours est-il que bon, il s'est enrichi considérablement. Hein. Et donc, à un moment, on l'a accusé de... Alors, c'est là que ça fait rire. De faire de l'alchimie. Alors, ça vient de vieux monsieur, qui s'appelle Monsieur Cramoisi. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Alors, ce Monsieur Cramoisi, c'était un délégué du roi qui allait dans l'atelier avant, hein, bien avant Charles VII, qui allait dans l'atelier donc du roi d'avant, vérifier qu'on ne trafiquait pas les monnaies. Et à un moment, on était à la fin donc du 13e siècle ou du 14e siècle, on était en 1390-7 et quelque chose, le roi demande à ce personnage d'enquêter sur Nicolas Flamel, le fameux grand alchimiste, parce qu'il avait une fortune beaucoup trop grande, parce qu'il faisait construire des églises dans Paris, des églises entières, distribuer l'argent aux pauvres à Noël, à Pâques, truc, des sommes faramineuses, et on se dit, c'est pas possible qu'il fasse une profession qui gagne autant. Alors on s'est dit, il doit frauder, il doit faire des trafics. Et puis bon, il est alchimiste, alors on sait que les alchimistes transforment le plomb en or, mais personne n'y croyait vraiment.
Et alors, ça c'est une histoire qu'on prétend vraie, hein, et qui est très cocasse. Elle est vraie. Ce monsieur se présente chez Nicolas Flamel et lui dit « Je viens faire une enquête. Bah, je suis mandaté par le roi, hein, pour l'origine de votre fortune. D'où vient tout l'or et l'argent que vous avez ?» Et Nicolas Flamel lui répond « Mais je le fabrique. L'or et l'argent, je le fabrique moi-même. » Alors, bon, le gars, il dit « C'est des blagues. Non, non. D'ailleurs, je veux faire une démonstration. » Et Nicolas Flamel lui fait une démonstration d'un minerai qu'il transforme en or et met le truc en or dans la main du gars. Et le gars, il regarde, c'est un expert, bien entendu, dans les monnaies. Mais merde, c'est du vrai or. Bon, le gars, il rentre. On ne sait pas la suite de l'histoire, pourquoi Jacques Coeur n'a pas été arrêté, etc. Mais le gars est persuadé que tous ceux qui deviennent très riches recourent à l'alchimie pour s'enrichir. Et comme il est encore vivant du temps que Jacques Coeur, que c'est bien plus tard, croit exactement la même chose. Donc lui, comme il est très connu, très mandaté par le roi, il a toujours travaillé aux monnaies, eh bien, se présente chez Jacques Coeur aussi, bah, la même chose. Alors lui, il l'envoie balader. Parce que, on va dire, écoutez, moi je fais pas de trafic, moi je fais rien. Donc le gars le prend très mal et répand dans le pays, la rumeur que Jacques Coeur fait de l'alchimie pour avoir de l'or et de l'argent, comme le fameux Nicolas Flamel, hein, ce qui avait, dans l'expérience en question, rendu complètement cramoisi ce monsieur qui porte le même nom, en l'occurrence. Donc, on a fait une enquête après la mort de Jacques Coeur. On s'est aperçu, alors qu'il avait, il fraudait pas vraiment, il avait trouvé une combine. C'est qu'il travaillait beaucoup avec Alexandrie, le Moyen-Orient, Chypre, etc., que les musulmans avaient beaucoup d'or et pas beaucoup d'argent. En gros, il y a de l'or qui venait des mines d'Afrique, etc., donc ils avaient de l'or, et nous, on avait l'argent, ils en avaient pas. Et à l'époque, alors c'est très très curieux, l'argent valait plus cher que l'or. Parce que la marchandise qui manquait le plus, il est bien certain que c'était la plus chère. Donc, comment Jacques Coeur avait trouvé une combine, c'est de dire, ben, nous, on a de l'argent, je vais vendre de l'argent cher, puisque les musulmans n'en ont pas, contre de l'or que eux ont un peu trop, puisque leur économie ne pourrait pas développer, et vont la donner. Donc, il y a eu un échange tout à fait à son bénéfice. Et alors, très curieusement, à un moment, comme il avait besoin d'argent pour ce trafic, il a fait rouvrir des mines qui étaient fermées depuis très longtemps. Dans la région lyonnaise, même des mines du temps des Romains, elle fait rouvrir. Et donc, on s'est dit, bah, il a de l'argent. L'argent, un minerai, hein. Il le vend, il récupère beaucoup d'or. À l'époque, il n'y avait pas encore la découverte des Amériques. Et donc, en Europe, il n'y avait pas beaucoup les métaux précieux. On n'a plus su quoi faire, hein, de l'argent et de l'or qui venaient des Amériques. Hein. Et c'est bien après, hein. C'est après Christophe Colomb, hein, donc, etc. Et alors, dans les bilans comptables, puisqu'il avait tous les bilans comptables, on s'est aperçu d'une chose très, très curieuse, qu'on a fait le bilan de tous les tonnages, ce qui pouvait être des tonnes à l'époque, de ce qu'il extrayait en minerais des mines, ne correspondait pas à ce qu'il vendait. En gros, il avait jamais pu extraire des mines d'argent qu'il possédait, ce qu'il commercialisait. Alors, d'où vient l'argent? Bon, alors il y a eu plusieurs hypothèses. Ben, on fabrique l'argent, comme Nicolas Flamel, par des procédés alchimiques. Bon, ou alors plus extraordinaire, hein, la route secrète des Templiers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, dans l'histoire secrète, je ne l'ai pas raconté la dernière fois, parce que ça n'est pas dans le sujet des croisades, des ordres de chevalerie, mais les Templiers seraient en Amérique bien avant Christophe Colomb. Donc, il y a une route templière de l'Amérique du Sud et eux, l'argent, l'or, l'a ramené. Alors, pourquoi on suppose cette chose? C'est La Rochelle. Parce que les Templiers ont développé énormément le port de La Rochelle. Tout un tas de commanderies tout autour pour protéger La Rochelle. On se demandait pourquoi ça avait une importance aussi grande quand on allait aux croisades en Méditerranée par l'autre côté. Alors, les thèses, c'était oui, mais il faut bien commercer et envoyer des bateaux et des hommes en rapport avec l'Écosse, le nord de la France. On dit, ben, pourquoi vous passez pas par Paris et par Amiens? Pourquoi votre port, c'est pas comment dans la Manche, etc., etc. Et quand les Templiers faisaient partir des bateaux vers le Moyen-Orient, ça partait d'Aigues Mortes, de Marseille, de Collioure, etc. Pourquoi développer un port sur l'Atlantique? Bon. Alors, on s'est dit que c'était trop bizarre pour que ce soit pas pour aller de l'autre côté. Voie qui aurait été
maintenus au secret jusqu'à leur disparition. Mais est-ce qu'il y a des survivants, des Templiers qui l'ont dit, qui l'ont écrit? Toujours est-il qu'un autre pouvait très bien envoyer des bateaux et suivre la même route, tout en restant dans la discrétion totale. Bon, et vous rappelez, enfin tout le monde le sait, quand Christophe Colomb est allé en Amérique, sur les caravelles, il y a les croix templières. Hein. Et voilà, on la croix rouge templière, on s'est dit, est-ce qu'ils ont laissé des manuscrits, laissé des indices? Alors là, on aurait les sources d'argent hein, qui viendraient d'Amérique centrale, viendraient du Mexique, en gros, si cette thèse est affirmée. Et les recherches actuelles font qu'il y a beaucoup trop d'indices dans ce sens-là. Pour que ce soit faux, je veux dire. Donc, on aurait un des secrets. Alors, on s'est dit, après, ben, la principale question, c'est est-ce que Jacques Coeur était alchimiste ou des alchimistes travaillaient pour lui hein? Alors, quand on voit son palais, là, vous avez le palais, Jacques Coeur. Je crois que c'est l'image 10. L'image 10. Donc, vous allez voir le palais Jacques Coeur à Bourges qui existe toujours, qu'on visite, hein, vous pouvez y aller. Voilà. Alors, c'est une toute petite partie, hein. Parce que là, vous êtes dans la cour pour l'entrée, hein. Alors, vous voyez le bâtiment, comment il est fait. C'est gigantesque. Hein. Ça couvre une grande partie du centre de Bourges. Hein. Bon, il y avait l'autre moitié de l'autre côté que vous ne voyez pas. Et alors là, par exemple, au-dessus de la porte, vous voyez la porte en bas, vous avez trois arbres dessus. Puis après, vous avez tout un tas de dessins hein, de symboles, vous voyez. Bon, là, ils sont pas très, très, très visibles, hein, mais vous voyez que c'est très, très décoré avec des tas de choses. Et les trois arbres en bas, ben, je crois que vous avez un chêne, un oranger, un palmier. Hein, donc, bon, forcément, Jacques Coeur a dit, mais c'est pour la décoration, mais c'est pas trois arbres innocents. Hein, le chêne est le symbole de l'Occident, le palmier, c'est le symbole de l'Orient, et le symbole de la vie éternelle. Et l'oranger, ben, on a les oranges qui ressemblent à des fruits en or, couleur de l'or, couleur du soleil. Donc, c'est des arbres symboliques en alchimie. Bon. Alors, à l'intérieur, ben, vous avez aussi beaucoup de dessus de cheminées, de portes, etc. Vous avez des symboles alchimiques. Par exemple, des cerfs fêlés, des licornes, et vous avez dans les feuillages, quand il y a des décorations, ben, vous voyez des choses comme ça. Hein, c'est-à-dire, vous avez, voyez, une tête de cerf, là, en bas, ou de chèvre. Vous avez, comment, le sanglier, vous avez le lapin, vous avez la rose, avec les pétales épanouis, vous voyez. Alors, chaque fleur, chaque arbre et chaque animal a une explication. Bon, le lapin, ça peut être la luxure parce que le lapin se reproduit beaucoup. Ça peut être les forces souterraines parce que le lapin creuse un terrier et descend. Vous avez les singes qui symbolisent le mental dans la tradition, l'ésotérisme, hein, le mental étant agité comme un singe, il faut maîtriser le mental, etc., etc. Bon, voyez que sur la gauche, un personnage qui peut représenter l'alchimiste, etc. Et alors, des choses comme ça, vous en avez des dizaines et des dizaines. Hein. On ne va pas les commenter aujourd'hui, parce qu'on est déjà avancé dans le temps, et ce serait trop long d'expliquer chaque symbole. Hein. Dans la conférence que j'ai faite sur l'alchimie, vous avez un petit quart d'heure sur le palais Jacques Coeur où les explications sont données. Hein. Donc, prière à tous les Nuréens et Nuréens que ça intéresse de s'y reporter. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Bourges, eh bien, il y a aussi un autre hôtel qui s'appelle l'hôtel L'Allemand. Donc, c'est les. Guillaume, c'est les images précédentes, 7, 8, 9, je crois. Voilà. Alors, vous avez l'hôtel L'Allemand. Ah, c'est un personnage qui est venu s'installer à Bourges, qui a construit un palais, il est moins impressionnant. Hein. C'était plutôt que Jacques Coeur, et donc c'est une demeure alchimique aussi. Hein. Alors sur le côté, vous voyez, sur la façade, vous avez un aigle, une sculpture d'animal, vous avez après la boule ignée, c'est-à-dire enflammée, hein. Donc, bien sûr, ça a rapport avec le feu, etc., etc. Donc il y a des décorations sur la façade, un petit peu au niveau du milieu là. Et sur, vous voyez, les demi-lunes ici, sur les portails, etc., etc. Donc, c'est très intéressant aussi. Alors, je ne sais pas si ça se visite parce que, bon, de temps en temps, c'est fermé. Donc, bon, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si vous pouvez aller voir. De l'extérieur, oui, hein, à l'intérieur. Dans l'intérieur, il y a des choses alchimiques aussi. Donc, on peut passer l'image suivante.
Voilà, donc vous avez une pièce où il y a les fameux caissons. Vous voyez le plafond, c'est divisé en caissons. Et sur ces caissons, il y a des figures alchimiques. En gros, ça raconte tout le processus de fabrication de la pierre philosophale, donc de réaliser le grand œuvre des alchimistes. Et vous avez là le détail des choses. Ça se lit par le bas, bien sûr c'est horizontal le plafond, mais quand vous le voyez mis en photo en vertical, ça se lit par le bas. Donc il y a tout le processus d'évolution. Alors vous voyez, bon, le commentaire serait de plusieurs heures d'expliquer pourquoi il y a ça. Ça se fait, hein, on a les explications des personnages, des animaux, de ce qu'ils font, de tout ce qui s'ensuit. Alors vous voyez là. Dans le milieu, là, il y a un oiseau, une corne d'abondance, etc., etc. Bon, des petits anges et tout ce qui s'ensuit. Alors, toujours dans des positions très particulières. Alors, vous pouvez aller voir ça. Bien sûr, si vous y allez sans guide et sans spécialiste de la chimie, ben, on vous expliquera pas trop ce que c'est, ce que ça veut dire. C'est déjà très beau à voir. Hein. Mais bon, vous voyez. Alors, on a vu. Juste oui. Pour info, les Nuriens, dans le cours vidéo avec Christophe, on propose des cours vidéo sur la langue des oiseaux. On en a vu une bonne partie, on en a décrypté une bonne partie de ces questions. Alors voilà, l'explication qu'on ne peut pas donner aujourd'hui pour manque de temps, vous l'avez de par ailleurs. Hein, voilà. Alors vous voyez, ça se voit très bien par les images, hein, c'est des sculptures, il y a des choses qui ne sont pas courantes. Hein. Bon, c'est obligatoirement alchimique comme chose. Donc, on ne peut pas nier après ça, pour revenir à ce que je disais plus généralement sur la Renaissance et l'alchimie, c'est d'ailleurs une grande période d'alchimie, parce que la plupart de tous nos traités d'alchimie sont du XVIe et du XVIIe siècle. Car vous avez des très très beaux dessins d'alchimie. Alors, je crois qu'il y en a un, c'est l'image 5. Voilà. Alors, dans des livres d'alchimie, ben, vous pouvez trouver des choses comme ça. Hein, donc là, ça s'appelle Genèse de l'œuf couronné. Hein, donc voilà, alors c'est des processus de travail chimique, hein, la maîtrise du dragon, etc. Bon, le développement, on a des couleurs très, 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 très symboliques aussi. Donc en fait, il y en a six. Hein, c'est un processus d'expérience en six étapes. Là, vous en avez quatre pour les besoins de place et de choses comme ça. Alors, voyez au genre de choses que vous avez là dans la cornue cristalline, bon, qu'il y a quand même des choses qui défient l'imagination avec tous ces animaux à trois têtes. Et bien, ça a un sens aussi, hein, le fait qu'ils aient trois têtes, que ce soit couronné, qu'il y ait tel ou tel type d'animal, etc. Bon, ça correspond à des signes astrologiques, etc. Au-dessus, vous avez des chars. Bon, par exemple, sur celui de gauche, là, ben, c'est le char de Mars, conduit par les loups, parce que l'animal symbole de Mars est le loup, hein, etc. En bas, vous avez une bataille qui montre que c'est Mars. Bon, dans d'autres images, c'est le Soleil, c'est Jupiter, c'est Saturne, etc., etc. Mais là, bon, pour le propos, vous voyez le niveau de la décoration, c'est-à-dire vous voyez le niveau du dessin. Et c'est tout autant de très haut niveau d'un point de vue symbolique. Hein, c'est-à-dire que c'est pas de la décoration non plus. Hein. Ça a un sens très très profond. Mais là, chaque élément a son L'animal, la couleur, les fleurs, vous voyez, très très différentes sur le côté. Voilà, les chars sur le dessus, les personnages, tout a un sens. Hein. Comme dans tout ce qui est alchimique, hein. Quand vous avez une planche d'alchimie, il n'y a pas une fleur ou une feuille, etc., qui n'ait pas un sens intéressant concernant le sujet. Hein. Bon, là, c'était pour vous montrer que 16e, 17e siècle, on a publié énormément d'œuvres de ce genre, hein, d'alchimie. Nos principaux traités sont de cette époque-là. Hein, donc, y en a, hein, l'état manuscrit dans des bibliothèques. Et un peu partout, comme quoi on les brûlait pas toujours, et comme quoi, c'était pas totalement interdit de pratiquer l'alchimie, puisque les rois avaient leurs propres alchimistes. Hein. Donc si Jacques Coeur a été alchimiste, et en tout cas il a au moins fait décorer son palais avec des choses en référence à l'alchimie, mais il en connaissait peut-être beaucoup, c'était quand même le grand argentier du roi. Hein.
Et là, pour Bourges, alors Bourges, je les collectionne, hein, deux hôtels avec des caissons d'alchimie, c'est, alors, ça remet Bourges, encore une fois. Bon, je reviens pas sur ce que j'ai dit sur Bourges pour pas perdre de temps, hein, mais le Berry, mais, dans l'Antiquité, déjà, Varicombe, Bourges, c'était très, très important. Et puis, considérer, que c'est le centre de la France, hein, le fameux, nombril de la France, hein, le centre des centres, une des cités magiques avec Alésia, hein, et tout ce qui s'en suit. Donc ce Jacques-Cœur est très 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 important, et donc il a fait des choses un peu particulières puisqu'il a été à la fois financier, homme symbole de l'homme nouveau de la Renaissance, conseiller du roi. À un moment il siégeait au conseil du roi. Bon, ministre des Finances en équivalent d'aujourd'hui, peut-être alchimiste un peu partout, ayant des ramifications dans tous les pays, donc bon, beaucoup de connaissances, etc. Donc quelqu'un qui est sorti hein, totalement de l'ordinaire, mais qui à la fin est tombé en disgrâce. Charles VII s'en est séparé, sans doute qu'il a fait encore des choses un peu particulières. Hein. Et voilà un petit peu ce personnage. Hein. Qui avait dans son blason, donc qui était à fond bleu et avec une bande en diagonale dessus, et d'un côté trois coquilles Saint-Jacques noires et de l'autre côté trois cœurs rouges, qui est un rébus initiatique disant Jacques cœur, c'est-à-dire la coquille Saint-Jacques c'est Jacques et le cœur c'est cœur. Et donc sur les murs de son palais à Jacques cœur, ben vous avez aussi les coquilles Saint-Jacques et le cœur, c'est Jacques cœur en mots. Alors un rébus. Et il s'appelait Jacques Cœur. Bon, déjà, c'est très particulier. Les initiales font JC. Bon, voilà. Et donc, voilà pour Jacques Cœur et comment Agnès Sorel. Et donc, et forcément, ça se finit avec ces personnages-là, c'est-à-dire que Charles VII et ensuite donc son successeur Louis XI, bon aussi installé dans la région de Loches, le roi qui enfermait ses prisonniers dans une cage de fer où la personne ne pouvait pas se tenir debout, la personne était recroquevillée, il y avait une petite grille pour lui passer la nourriture, etc. Si vous allez à Loches, on vous montre, c'est les cages de fer de Louis XI, qui n'était pas commode du tout, qui était une terreur, mais bon, qui a poursuivi l'œuvre de son père, Charles VII. Voilà. Après Charles VIII, les guerres d'Italie et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et avant de passer à d'autres sujets, je vais revenir sur l'image de Jeanne d'Arc dont je vous avais parlé la dernière fois, puisqu'on est toujours là, fin de la guerre de Cent Ans et autres, c'est la première. Puisque ça a beaucoup fait jaser l'histoire de Jeanne d'Arc, et c'était pas vraiment une pauvre petite bergère innocente qui entendait des voix, mais était beaucoup trop au fait de la politique nationale et internationale et savait monter à cheval et autres pour passer pour une petite bergère. Donc c'est toute l'histoire que vous connaissez, hein. Donc de la fille adultère de d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans. Donc elle est liée à la famille d'Orléans, à Louis d'Orléans. Elle n'aurait pas dû s'appeler d'Arc puisque c'est le père adoptif, mais d'Orléans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il prouve? Ben là, vous avez une preuve. C'est que Jeanne d'Arc a revêtu par-dessus son armure une tunique jaune avec des fleurs de lys. Donc déjà, pour utiliser la fleur de lys, il faut déjà être d'une famille royale ou très princière dans le pays. Alors, c'est une statue qui est à Reims. Hein. Et Reims est pour cause. Hein. Le sacre de Charles VII. Alors, pourquoi le jaune? C'est très important, parce que c'est le jaune qui est très important, c'est la couleur de la famille d'Orléans. Et alors, au Moyen-Âge, vous savez qu'il y avait les couleurs avec les blasons, on mettait des animaux, des objets, des tours, des signes sur les blasons. Il était interdit d'usurper le blason. Hein. C'est-à-dire, si vous imitiez un blason de quelqu'un d'autre, vous utilisiez même les couleurs, c'était interdit par le code de chevalerie de l'époque. Hein. Donc, on ne voit pas pourquoi Jeanne d'Arc aurait mis une tunique jaune plutôt de rouge, alors que le jaune est la couleur des Orléans. Si elle n'était pas indirectement et secrètement, alors peut-être que celui qui a fait la statue a voulu donner une indication de ce genre de choses. Hein? Voilà. Donc, on passe. Hein. C'était pour rappeler quelque chose de la dernière fois qui n'est pas tellement un rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Hein? Voilà. Alors, des châteaux alchimiques, comme on voit là, il y en a d'autres. Hein.
ça se limite pas à Bourges et au château que vous avez vu avec tous les symboles. Il y en a un, par exemple, ben vous allez peut-être en voir un. Il y a Le Plessis-Bourré, c'est près d'Angers. Donc, c'est l'image 13, je crois. Donc, il y a un château près d'Angers qui s'appelle Le Plessis-Bourré. Et il y a les caissons alchimiques aussi. Donc, il y a tout un plafond dans une salle avec toutes les étapes du grand œuvre. Alors, là, je n'ai pas eu de chance hein, que les Nuréennes et Nuréens m'excusent dans les documents qui reproduisent les caissons. Eh bien, les peintures, c'est les peintures qui sont faites dans les caissons de plafond, hein, sont marron, vert, beige, etc. Donc, forcément, l'original est en couleur, mais des couleurs assez foncées. Et donc, on distingue très peu les choses, au moins sur mon tirage de photocopie à moi. Là, vous avez une reproduction qui s'appelle l'âne qui lit la messe. Donc, vous avez l'âne, vous voyez bien, avec ses grandes oreilles, là, le corps de l'âne, et un livre avec des notes de musique où l'âne lit ou chante la messe. Bon, forcément, en alchimie, ça a un sens. Alors, l'âne est une apparence extérieure. Ça fait allusion à la fameuse légende, vous savez, si Podane m'était compté, ou une jeune fille merveilleuse, hein, qui symbolise, bien entendu, la pureté, la vérité, la connaissance, etc., et enfermée à l'intérieur d'une Podane, qui est à l'inverse, ben, on s'en libère, on l'ouvre, on en sort. Et l'âne, ben, tout le monde est âne au début, parce qu'on est âne tant qu'on n'a pas de connaissance, comme un âne à l'école, hein. Et donc l'âne essaie d'apprendre, bien sûr, la messe, il faut déchiffrer. Bon, il y a toute une explication, tout un symbole, etc. Donc je n'ai pas poursuivi, parce que là aussi, pour faire le commentaire de chaque image, il y en a des dizaines, ça prendrait trop longtemps. Et puis les fonds ne sont pas bons, hein, donc on ne peut pas distinguer, il y a telle fleur, il y a telle arabesque, etc. Vous allez voir la deuxième quand même, puisque je l'ai mis, hein, donc en dessous, c'est l'homme au lion, l'homme lion. Alors c'est le... comment ? C'est la suivante. Hein. Je ne sais pas si... Voilà, en dessous. Voilà. Il faut la remonter un petit peu. Voilà. Alors, vous avez l'homme lion. C'est un torse, bien sûr, une tête d'homme sur un corps de lion, un peu comme un centaure pour le Sagittaire. Voilà. Qui tient dans la main une très, très longue massue. Hein. Bon, naturelle. Hein, c'est une branche d'arbre. Hein, un bouclier renforcé. Les cheveux qui volent au vent. La queue du lion, voilà, qui passe ici, qui fait une sorte de S, d'arabesque. Bon, tout a un sens aussi, la fleur qui est ici dans le milieu. Hein, donc, l'homme lion, c'est un symbole solaire, bien entendu, puisque le lion, signe du lion, c'est le mois d'août, etc. C'est le combat contre les forces du mal. Il y a un sens de la massue, il y a un sens du bouclier. Il y a un sens que c'est l'homme lion qui précède l'homme sagittaire. L'homme sagittaire, c'est la flèche, c'est la quête. Donc, c'est beaucoup plus évolué que l'homme lion. On est homme lion avant d'être homme sagittaire, etc. Donc, il y a tout un symbole vertigineux aussi. Comme je parlais de Louis XI, eh bien, le château de Plessis-Bourré a été construit et décoré de cette façon par quelqu'un qui s'y connaissait grandement en alchimie, qui était le seigneur de Plessis-Bourré. Et qui était le seigneur de Plessis-Bourré? Eh bien, c'était encore une fois le grand argentier du roi de France, Louis XI. Bon, donc voilà. Alors, vous voyez bien que vous avez toujours des gens qui sont grands argentiers du pays, qui travaillent avec le roi, parce que quand on a ces fonctions-là, eh bien, on est toujours, bien sûr, dans l'entourage du roi, et c'est tout juste si on ne siège pas, mais très souvent au conseil royal, mais ça n'empêche pas de faire l'alchimie, et là, de pouvoir décorer son château avec ce genre de choses, alors qu'officiellement, hein, tout le monde le sait, l'alchimie, l'astrologie, la magie n'est pas en odeur de sainteté du temps où l'Église est toute puissante. Mais un roi peut très bien interdire de faire de l'alchimie, saisir les livres d'alchimie, mais avoir un alchimiste comme conseiller. C'est pas gênant. La reine d'Angleterre, Elisabeth Ier, avait comme conseiller John Dee, qui est un des plus grands alchimistes et magiciens de son époque. Mais personne, la fameuse Catherine de Médicis, avait comme conseiller un astrologue magicien qui est Cosme Ruggeri, et qui dressait l'horoscope de Catherine, et qui faisait ceci, il a même construit une tour observatoire pour regarder le ciel, qui est encore à Paris. Il y avait un laboratoire, une construction d'observation, genre laboratoire astronomique, et il reste que la tour, et qui existe encore auprès de la Bourse du Commerce à Paris. Et la Bourse du Commerce à Paris, pour ceux qui sont de Paris, savent que c'est près de l'église Saint-Eustache,
Et il y a tout à fait dans le fond, donc la Bourse du Commerce, et il y a une colonne tout le long, une sorte de plateforme en haut avec quelques cercles de fer, c'est la tour de Cosme Ruggeri. Et puis le fameux Nostradamus, qui était à la fois médecin, mais aussi astrologue de Catherine de Médicis. Donc c'est la même époque. Hein. Donc on avait des entourages comme ça, tout en étant officiellement contre, et c'est le peuple qui n'avait pas le droit, lui, de s'occuper d'alchimie, d'une magie, d'une astrologie, mais à la cour, ben, c'est comme nous, nos présidents. Ils ont tous ils ont leur astrologue, ils ont leur tarologue et tout ce qui s'ensuit. Donc, fameux château du Plessis-Bourret qui se visite avec des horaires particuliers, je crois, l'hiver, mais vous pouvez y aller en ayant de la chance d'avoir aussi un commentaire alchimique pour qu'on vous explique chaque peinture. Voilà. Et donc après, il y a aussi, bon là, on a vu l'alchimie, hein, c'est très répandu. Il y en a bien d'autres. Hein, il y a des châteaux, le château de Chailly-sur-Armançon, c'est près de Beaune. Et donc, vous avez aussi sur des colonnes, des portes, des linteaux de portes, etc. Alors, je crois qu'il y en a là. Je l'ai. Hop. Voilà. Alors, pas celle du haut, qui est d'un autre monument, mais les trois du bas, c'est ce que vous pouvez voir sur le château de Chailly-sur-Armançon, donc théoriquement en Bourgogne, hein, puisque c'est un peu avant Bonne. Alors là, vous avez des angelots qui portent des objets particuliers. Il y a un décor floral aussi. Alors, il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Ah, vous avez des curiosités. Par exemple, dans l'image du milieu, des angelots qui ont des queues de serpent. Voilà. Alors, celui de gauche est masculin. Celui de droite, vous voyez un peu le petit grec hein, de féminin. Alors, celui de gauche, normalement, est en train d'uriner quand la photo est nette. Alors, on voit très souvent ça dans des peintures alchimiques. Si vous allez au fameux château de Plessis-Bourret, vous avez une peinture où une dame relève ses jupes jusqu'à la taille et urine. Donc, on voit le jet d'urine sur la peinture. Hein. Elle s'appelle d'ailleurs la pisseuse, la peinture. Alors, ça n'a rien à voir avec le truc pornographique. Hein. C'est que on utilisait l'urine avant quand on n'avait pas d'acide pour dissoudre les métaux. Parce que dans l'urine, il y a du sel d'ammoniac. Alors, selon ce qu'on peut ingurgiter, on a une urine plus ou moins forte, plus ou moins acide, et ça servait de dissolvant. Donc, on recueillait l'urine. Et quand on veut montrer qu'on utilise ce produit qui s'appelle le sel d'ammoniac, qui est donné par l'urine, on montre que la personne est en train d'uriner, ce qui fait très, 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 très curieux. Quand même, on est en train de nous dire que le Mac and Peace de Belge serait un symbole alchimique. Peut-être, on ne sait jamais, parce que c'est très alchimique, la place centrale de Bruxelles. Hein, et ouais. On ne sait jamais, hein, de vérifier ça. Quoi. Alors là, bon, vous avez des angelots très curieux, hein, parce que des angelots, au lieu d'avoir des ailes qui ont une queue de serpent, ça sort un peu de l'ordinaire. Ça peut être divisé en deux mots, puisque vous savez qu'on fait beaucoup de rébus en alchimie, qu'on inverse les syllabes, les mots, etc. Serre plus loin, pan. Je serpent et pan, P-A-N, hein, c'est le dieu de la nature. Hein. C'est le roi des bergers hein, qui, avec sa flûte, entraîne tous les moutons, les chèvres, etc. La fameuse langue des oiseaux. Et toujours la fameuse langue des oiseaux. Dire serpent peut se lire serpent hein, plus loin, etc. Et le fameux dieu Pan étant le dieu célébré en Arcadie. Vous retombez sur l'Arcadie, vous retrouvez dans une image du paradis, vous retrouvez dans une Arcadia Ego. Et en gros, indirectement, vous êtes reparti à Rennes-le-Château, indirectement. Quoi. voilà, dans le milieu, il y a un blason avec une croix, vous ne la voyez pas très bien, mais la croix à branche égale et la réalisation de la pierre philosophale, etc. Bon, en bas, vous avez tout le long d'un mur comme ça des fresques avec des oiseaux et des angelots qui batifolent dans tous les sens, qui voudraient signifier que de connaître les secrets de l'alchimie est un jeu d'enfant, parce que les anges ont l'air de s'amuser. Ce qu'on dit vraiment, hein, c'est un jeu d'enfant. C'est-à-dire, en gros, à la fois, c'est très facile à découvrir qu'on comprend, et qu'on étudie bien les choses, parce qu'il n'y a qu'à imiter la nature
qui n'a pas de secret, mais il faut savoir regarder qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui se fane, qu'est-ce qui se développe, à quel rythme, etc. Ben, suivre les cycles de nature et les saisons et tout ce qui se suit. Et puis, aussi, ben là, il y a des oiseaux. Quand un oiseau a l'aile déployée, ça symbolise le volatile, c'est-à-dire l'élévation de l'esprit, le mercure. Quand l'oiseau a ses ailes repliées, eh bien, c'est le fixe, c'est le soufre, etc. Et vous avez, tout ce genre de choses. Et puis aussi, bien entendu, pour des anges qui ressemblent là beaucoup à des enfants, à des bébés, le fait qu'il faut redevenir comme un enfant pour comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, la doctrine initiatique veut que on ne se complique pas la vie avec des thèses, avec de la philosophie, avec des choses mathématiques très compliquées. Il faut retrouver son âme d'enfant, c'est-à-dire s'émerveiller de tout. Et puis essayer de comprendre, de dire bon, alors quand on laisse parler le cœur, c'est-à-dire quand on a supprimé le mental, les révélations arrivent toutes seules, c'est-à-dire on ressent par l'intérieur les choses. Ben ça, c'est la tradition ésotérique et alchimique classique, hein. Donc il y a pas de secret. Mais alors bon, selon les endroits et l'inspiration de l'artiste, alors bon, des choses alchimiques peuvent être faites comme on a vu tout à l'heure sous forme de caissons, et peuvent être faites comme on a vu là, comme on voit là, hein, dans, de ces formes de sculpture, voilà. Ah, très intéressante, voilà, pour ce sujet, qu'on va clore là pour l'alchimie, parce que ça fait quand même un peu beaucoup. Alors ensuite, bien sûr, à la Renaissance, on a beaucoup développé la magie, et donc on croyait beaucoup à tout un tas d'êtres surnaturels, non pas aux anges, parce que ça, c'est la tradition de l'Église, on y croyait encore qu'il y avait des anges, mais aussi des ondines, des fées, des élémentaux, des succubes et des incubes. Alors les succubes et les incubes sont les esprits mauvais, hein. Masculins quand c'est des incubes, féminins quand c'est des succubes. Et on pouvait, par des pratiques d'ordre magique, greffer un incube ou un succube sur le corps astral d'une personne, et donc indirectement la travailler de l'intérieur. On croyait au courant magnétique, on croyait au courant tellurique, on croyait à l'influence des sons sur les états d'âme et la personne, etc. Et on croyait au pouvoir de l'imaginaire. Alors l'imaginaire n'est pas conçu comme aujourd'hui un poète qui aurait beaucoup d'imagination. L'imaginaire était un travail de l'esprit et de la volonté pour visualiser les choses et pour créer quelque chose. Et c'était basé sur une force surnaturelle qu'on appelle l'éros. Alors l'éros, comme tout le monde connaît, c'est ce que c'est la force d'attraction universelle. Donc on croyait qu'il y avait une force cosmique universelle appelée Eros qui équivaut à la loi d'attraction, et qu'on ne pourrait pas agir sur un autre être ou avoir sa réponse ou entrer en communication ou constituer un réseau si on ne passait pas par cette énergie cosmique globale appelée Eros. C'est-à-dire en clair aujourd'hui au sens cosmophysique, la force d'attraction. Alors forcément on la retrouve au niveau homme-femme, parce que bien sûr c'est l'attraction entre un sujet masculin et féminin, eh bien c'est l'Eros. Mais adapté à deux individus qui se rencontrent et qui se lient, mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire quand les choses sont en correspondance, il y a eu une attraction réciproque, et si c'est multiple, comme dans une société, ça fait réseau. Et donc les choses ne peuvent pas être, sans être liées à quelque chose d'autre. Quand on a l'impression que les choses sont différentes, dispersées, c'est qu'on n'a pas compris qu'il y avait un lien. Et que s'il y a un lien, il est secret, forcément on ne le voit pas, mais tout est en correspondance avec tout. Alors ça date pas de la Renaissance, parce que les Égyptiens, les Sumériens et toutes les civilisations anciennes connaissaient ça par cœur, sauf qu'après ça s'est perdu, et eux, comme ils ont ressorti tous les auteurs anciens, même les alchimistes de l'Antiquité, d'Alexandrie, etc., parce qu'à la Renaissance, il y a eu une explosion inouïe des œuvres gréco-romaines. On a retrouvé Platon, on a retrouvé Pythagore, on a retrouvé tout un tas de choses des écrits anciens qui étaient plus ou moins passés à la trappe. Pendant le Moyen-Âge, l'Église faisait un peu chasse à tous ces trucs gréco-romains, égyptiens, sumériens, étrusques, etc. Donc on retrouvait ces civilisations, d'ailleurs, comme vous le savez, dans l'art. On a retrouvé une énorme, influence du gréco-romain. Hein. Il y a qu'à voir comment on construisait les monuments, toute la mythologie. On a ressorti toute la mythologie grecque et autres. Hein. Voilà. Alors ça a eu quand même une influence curieuse. Et comme on croyait à ça, on a cru aussi que il suffisait de développer un petit peu
l'énergie en question pour entrer en contact avec autrui, l'influencer. Donc, quand on fait ça en magie, on n'est pas loin de l'influence et de la... comment on pourrait appeler ça de subjuguer autrui, quoi, de l'influencer, de... bah, comme font les magiciens, hein, et les sorciers qui créent une sorte de filet. D'ailleurs, ça s'appelait filet. On disait créer un filet, non pas pour attraper quelqu'un au filet, mais pour créer un réseau d'interconnexion de force. Sauf qu'en faisant ça, si c'est très poussé et que si vous êtes mal intentionné, vous aboutissez à la manipulation mentale quasiment directe. Le côté jamais bien. Voilà. Alors à la fin, on est arrivé à tout ce qui considérait que tout ce qui se faisait dans la société, que ce soit au niveau du pouvoir politique ou religieux, eh bien, on utilisait cette force sciemment parce qu'on savait très bien ce qu'elle était et ce qu'elle donnait, qu'on faisait une manipulation réelle. D'où quand Giordano Bruno, un des grands philosophes de l'époque, a dit qu'en gros, dans ses thèses, sans le dire vraiment comme ça, c'est que la religion aurait été une manipulation de l'esprit. Bon, il a mal fini, il a été au bûcher direct, hein, pas forcément à cause de ça, mais bon, il a été brûlé, hein, par l'Église, encore un brûlé, lui, pas pour chorcellerie, mais bon, pour thèse un peu dissidente. Hérétique, oui, etc. Voilà, donc cette magie a eu beaucoup d'intérêt. On pourrait même dire que la Renaissance est un petit peu à l'origine, mais ils ont retrouvé ça dans les manuscrits qui sont venus de Byzance, quoi. Quand Constantinople a capitulé là, en 1453, pris d'assaut par les Turcs, il y a des tas de gens qui ont réussi à se sauver quand même, et puis ailleurs dans le pays, et donc ils ont ramené tout ce qu'ils pouvaient sauver des bibliothèques. C'est pour ça qu'il y a une éclosion de toutes ces œuvres qu'on n'avait pas avant, qu'on a eues à cause de la capitulation de Constantinople, si on peut dire. Bon, toujours est-il qu'il y a eu une progression prodigieuse du savoir avec des ouvrages des médecins romains en médecine, sur les plantes, etc. Une partie du savoir vient un petit peu du travail proprement dit fait, mais une partie d'un apport extérieur, hein. Plus tous les voyages qui mettaient en contact, machin, avec Trump, qui était spécialiste de ça à Athènes, à Alexandrie, à Jérusalem, et tout ce qui s'en suit. Hein. Alors, voilà pour ce sujet, entre autres, hein, qu'on peut approfondir avec tout plein d'histoires, mais pas aujourd'hui, parce que bon, on n'aboutira jamais à la fin. Alors, les livres de l'époque. Alors, on va parler un peu de quelques livres. Bon, forcément, des livres, il y en a des milliers. Et comme à la Renaissance, bah, comme tout le monde le sait, on a découvert l'imprimerie, puisque le fameux Gutenberg invente l'imprimerie, imprime les premiers livres, c'est 1450. On a commencé par des Bibles, imprimer la Bible, sur l'Église surveillait de très près ce qui pouvait s'imprimer. Et puis après, ben, 16e siècle, on a imprimé des livres dits classiques. Quand vous lisez les Essais de Montaigne, ben, ça a été publié à l'époque, hein. Publié Dubélé, Ronsard, bon, ben, il y a eu les éditions hein, de l'époque. Alors, qu'est-ce qui peut bien sortir dans ce domaine, eh bien, bon, les traités d'alchimie dont on a parlé tout à l'heure, et puis des livres un petit peu spéciaux. Quelquefois, on se demande comment ils ont pu être primés. Hein. Alors, il y a trois livres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ah, il y en a un qui est très connu et deux autres beaucoup moins. Alors, celui qui est très connu, c'est les Centuries de Nostradamus. Donc, Nostradamus, je vous rappelle, c'est cette époque-là, médecin et conseiller donc de Catherine de Médicis, entre autres, hein, parce qu'après, elle n'était plus là. Mais alors, bon, je veux pas avoir raconté l'histoire de Nostradamus aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet, mais on s'arrache un peu sa naissance et ses origines. Bon, il y en a qui disent que c'est à Alette, justement, dans le Languedoc. Bon, parce qu'il y a une maison de Nostradamus là-bas, dans la ville qui s'appelle Alette. Et puis, Saint-Rémy-de-Provence... Alors, normalement, sa famille serait plutôt originaire d'Alette, mais lui, après, serait allé à Saint-Rémy, etc. Alors, bien sûr, c'est ce qui est extraordinaire, c'est ces fameuses centuries, hein, qu'on appelle des prophéties, mais c'est les centuries. Et donc, alors, c'est très, très curieux, parce que c'est écrit en langue française de l'époque. C'est écrit avec des mots qui sont plus du tout connus aujourd'hui, et même des mots inventés, parce que pour les besoins de la cause, bon... Nostradamus inventait des mots. Alors, il connaissait par cœur tous les ésotéristes, toute l'astrologie, etc., toutes les mythologies. Et quand on voulait signifier quelque chose, mais on fait ce qu'on étudie en ésotérisme, c'est-à-dire le principe d'analogie. C'est-à-dire, si vous voulez parler de la guerre, vous pouvez parler du dieu Mars.
dans l'esprit de quelqu'un cultivé, on dira, si c'est Mars, c'est la guerre. Bon, si c'est une couleur rouge ou si c'est le sang, c'est Mars aussi parce que c'est la guerre. Donc, il faut faire des rapports comme ça. Si c'est la colombe, c'est Vénus, c'est la paix. Donc, il y a tout un tas de signes de correspondance comme ça. Donc, forcément, l'interprétation, si on connaît pas les bases, c'est très difficile. Comme dedans, il y a des calculs, comme il y a de la numérologie, comme il y a des noms de lieux, il y a des moments où on va parler de Narbonne, il y a des moments où on va parler de Rome, un moment où on va parler de ceci, puis des lieux totalement inconnus, parce que comme c'est prophétique, à un moment, la ville dont il va parler, personne à l'époque le connaît, joue un rôle dans l'histoire. Hein, par exemple, à un moment, on fait allusion à Varennes et l'arrestation du roi Varennes. Il est bien certain que si vous lisez ça dans l'édition du VIe siècle, personne ne peut savoir qu'un jour un roi Louis XVI sera arrêté à Varennes. Donc Varennes ne dit rien à personne. La ville n'est même pas connue. Et même si le roi Louis XVI n'avait jamais été arrêté à Varennes, personne ne connaîtrait Varennes. Donc, mais dans Nostradamus, c'est écrit « dedans Varennes arrêté », etc. On se dit « bon, bah ». Alors, c'est interprété comme ça. Alors, je vous dis pas les exégètes. Pour interpréter Nostradamus, on a une cinquantaine de types d'interprétations différents. Parce qu'il y en a qui jouent sur la géographie, la cabale, les cycles astrologiques. Par exemple, Nostradamus va donner une date par la position des planètes dans les signes tel jour. Exemple, au moment où Mars est en cancer et Vénus en taureau et Jupiter dans tel signe, tel événement, puis on s'aperçoit que c'est telle date quand on regarde les positions des planètes du jour. C'est comme ça que la date de l'invasion de la France le 10 mai 1940 est donnée par les positions planétaires du jour, mais calculée à son époque. Génie, faut bien le dire, un génie. Imaginez aujourd'hui que vous prévoyez, soit par clairvoyance, soit par calcul, un événement de 2053. Et qu'au lieu de dire en 2053, il se passera telle chose, vous allez donner les positions planétaires de ce jour-là. Qui va aller chercher dans un livre d'éphéméride des positions planétaires pour savoir que c'est l'année 53, 2053, quand la date n'est pas donnée? Nostradamus faisait ça. Alors, comme en plus il est écrit par quatrains, c'est des quatrains, donc des lignes de quatre lignes portions, qui ont tous un numéro, 3, 32, 3, 34, 3, 48, etc. C'est-à-dire troisième centurie, quatrième, 48e quatrain, etc. Il y a une symbolique, un sens des nombres dans le numéro des quatrains. En plus. C'est-à-dire si la centurie est 8-33, ça veut dire quelque chose, 833 ou 8-33 ou 83-3, etc. Donc, il y en a qui ont trouvé des systèmes mathématiques dans le classement des prophéties, qui, de plus, sont pas dans l'ordre. Alors, on commence par la première, c'est l'année où il les a sortis, puis on arrive à la dernière, c'est le jour de la fin des temps, pas du tout. Ils ont été complètement mis dans tous les sens. Il faudrait reconstituer l'ordre chronologique. Et comme on ne sait pas interpréter certains versets, parce qu'il y a une bonne centaine, pas compréhensible du tout, parce que ça fait allusion à des choses ne pouvant pas exister aujourd'hui, dont on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas donner interprétation intégrale de l'œuvre. Et ce qu'on fait maintenant, c'est maintenant de prouver qu'il y a une structure géométrique dedans. C'est-à-dire, il faudrait disposer sur un plan, imaginer un plan de mur, les quatrains, et voir comment ils se correspondent. Où on retrouve les mêmes mots, on retrouve les mêmes symboles, et tout est comme ça. Donc, on en a une interprétation géométrique des centuries, entre autres, de plein de choses. Ah, je vous passe les détails, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, parce que vous allez avoir des allusions Rhazès ou Hérène Le Château, au grand monarque, à la fin de Rome, à la destruction de l'Europe, à des tas de choses, ou de guerre mondiale. Bon. Donc, il y a des spécialistes de ça, il faut suivre leurs explications, leurs œuvres, sans croire qu'elles puissent être certaines. Il y en a même un qui a mis toutes les prophéties dans l'ordinateur, pour voir si l'ordinateur sortait tant de fois le mot coq, le mot sceptre, le mot chevalier, pour voir si ça pouvait avoir un sens, etc. dans la nomenclature, parce que c'est un truc complètement codé, quoi, en fait. Alors le génie qui a codé ça, c'est un ordinateur lui-même. Alors il y aura cette année une conférence de moi-même sur Nostradamus. On va répéter un petit peu tout ça, mais là avec des exemples, parce que là, pour donner un exemple, il aurait fallu que j'écrive les quatrains. Donc là, sur un écran, alors vous voyez, c'est pas pratique. Et en plus, les expliquer au mot à mot,
C'était pas possible dans le cadre d'une vidéoconférence, quoi. Il faut les écrire sur un papier. Alors, autre livre très très important, beaucoup moins connu, ça s'appelle Le Songe de Polyphile, qui a été écrit par un monsieur Colonna. Donc, en fait, le titre apparu en latin, Ipterotomachia Polyphili. Ipterotomachia Polyphili, oui, veut dire en français Songe de Polyphile, c'est connu. Ce nom-là, c'est la marotte de la Renaissance, hein. C'est-à-dire c'est le livre des livres. Si on était de l'élite intellectuelle ou culturelle ou encore plus initiée, et puis qu'on n'avait pas lu le Songe de Polyphile, on pouvait aller se rhabiller, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire c'était le livre obligatoirement à lire pour ceux qui s'intéressaient, bien entendu, à ce genre de sujet. Alors ce livre, déjà par le titre, il est un petit peu bizarre. Alors il a toute une histoire, c'est-à-dire qu'il a été imprimé en Italie et Venise. Donc déjà, on n'a pas osé imprimer en France, ni dans où il y avait les grandes imprimeries. Il y avait qu'à Venise, qui était un petit peu un état indépendant, bien sûr, à l'époque, hein, Venise et les Vénitiens et leur flotte, etc., étaient un peu indépendants, qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans les sanctions des rois, puisque c'est une république de Venise, avec les doges, et sans l'autorisation du pape. Donc quand on voulait... à l'époque, faire imprimer quelque chose d'un peu subversif, ça sortait des imprimeries de Venise. Et après, ça repassait dans tous les pays. Mais alors, curiosité dont on s'est aperçu, c'est qu'avant que le livre soit imprimé, il circulait déjà en France. C'est-à-dire qu'à l'état de manuscrit, il avait déjà été recopié, et il circulait déjà parce qu'on a trouvé des manuscrits, mais ils sont plus anciens que la date d'édition de Venise. Et on s'est dit, qu'est-ce qui a bien... Ça prouve le succès du livre. Parce que si vous le recopiez avant que ce soit imprimé, à la main, en manuscrit, ou un tirage à imprimerie, mais secret, pas officiellement diffusé dans les lieux de vente et distribué sous le manteau, comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Donc le fameux monsieur Aldo Manucci, l'imprimeur, sans doute initié, sans doute grand spécialiste des questions ésotériques pour publier un truc comme ça, parce que c'est un truc totalement ésotérique. Donc ça a eu un succès phénoménal, hein, il fallait absolument avoir ce livre. Quand François Ier fait les guerres d'Italie après Marignan, on lui a remis un exemplaire. Avec la salamandre, son symbole de salamandre, symbole de François Ier, alchimique, hein, la salamandre, hein, qui passe à travers le feu sans se consumer, etc., imprimé sur la couverture, et l'exemplaire songe le polyphile. Bon, alors, vous allez dire, mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir là-dedans? On aurait mis tous les secrets ésotériques possibles et disponibles à l'époque dans le livre. Donc, qui voulait s'initier, il avait... les anecdotes, les mythes, les explications, les formations à voir, ce qu'il fallait développer, bah, pour être initié, être sur la voie initiatique. Hein. Alors, c'est raconté sous une forme romancée. Il y a donc le monsieur qui polyphile, le jeune homme qui polyphile, qui est le chercheur, qui est en quête, bien entendu, de la vérité, qui suit un chemin initiatique et qui rencontre une belle madame, bien entendu, sa référence féminine qui est Polia, donc il y a Polia et Polyphile, hein, qui vont ensemble, hein. Comme il y a Papageno et Papagena dans l'opéra de Mozart, La Flûte Enchantée, qui est d'ailleurs un opéra alchimique et franc-maçon, comme tout le monde sait. Et donc, quand on fait les consonances comme ça, des personnages masculins et féminins, on signifie quelque chose, elle symbolise en fait la connaissance qu'il faut acquérir. Donc, la conquête de la dame est en fait la conquête de la connaissance. Alors dedans, ça baigne dans des lieux paradisiaques, c'est le paradis, c'est tout un tas de, ça ressemble un petit peu comment au paysage du Graal, etc. Donc avant, on avait le Graal hein, du 12e au 14e siècle. Quand ça a été périmé parce que c'était trop la chevalerie, trop le roi Arthur, trop ceci, eh bien, on a eu Songe de Polyphile. Alors que la quête du Graal, les chevaliers de la Table Ronde, des Merlin et tous ces ensuite, c'est archi archi connu jusqu'à aujourd'hui. Songe de Polyphile est totalement inconnu. Hein. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ah oui, justement, alors on se demande même, je crois qu'il y a des bibliothèques qui en ont un exemplaire, je sais pas s'il y en a un, la Bibliothèque Nationale, puisqu'il y en a qui en parlent, puis qu'ils écrivent ce qu'il y a dedans, il doit exister, mais je vous assure que c'est pas pour les rues, quoi. Donc, bon. C'est un livre qui n'a pas été réédité. Alors, après, sans doute, on a trouvé mieux, c'est-à-dire quand il y a eu les Rose-Croix, quand il y a eu la franc-maçonnerie, les symboles, les thèmes, les thèses, les processus initiatiques ont beaucoup plus été connus publiquement. C'était peut-être pas la peine d'avoir un livre secret de ce genre qui doit dire à peu près la même chose, hein.
C'est-à-dire que c'est toujours les thèses principales de la formation initiatique, vues avec des mythes X, Y, Z, etc. Moi-même, je n'en ai pas ce livre, cet exemplaire, je ne peux pas trop vous détailler ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on lit un petit peu par-ci, par-là, partout, mais ça a été considéré comme à la fois un chef-d'œuvre et comme quelque chose de très, très important tout le XVIe siècle. Bon, en gros, tous les personnages importants, comment dire, le seigneur machin, l'alchimiste, je devais avoir. On ne sait pas trop ce qu'en a fait François Ier, parce que comme François Ier avait eu l'exemplaire, on lui en avait offert un, c'est dire, mais on savait qu'il s'intéressait beaucoup à l'alchimie, puisque fameux château de Chambord, il y aurait eu à peu près à gauche de la porte d'entrée un laboratoire de la chimie. Donc, comment dire, François Ier, ça donnait un peu. Alors, je ne sais pas s'il y allait souvent, s'il y avait des personnes qui, pour lui, faisaient des expériences, mais c'est très connu aussi, ça. Hein, presque tous les châteaux, Fontainebleau, etc., ont des symboles de ce genre. Si vous allez à Chambord, vous avez la salamandre au-dessus d'un dessus de cheminée, etc. Hein. Et dans tous les châteaux qui ont rapport avec François Ier, vous avez toujours la salamandre. Non, puisque elle symbolise justement le fait de traverser les flammes sans brûler, quoi. Ce qu'il faut, hein, pour l'animal, appelé salamandre. Parce que la salamandre avance un petit peu dans un feu parce qu'elle a une sorte de gluance sur la peau. Donc le temps que la gluance humide, bien entendu, qu'en prenant une salamandre dans les mains ou une grenouille, on voit bien que c'est gluant, le temps que ça s'évapore et que ça sèche, elle continue à marcher dans les flammes. Et après, bien entendu, si le feu est trop intense, finit par être totalement carbonisé, mais là, on ne le voit pas. On a retenu l'idée que c'était un animal qui pouvait marcher dans le feu, comme l'initié qui doit affronter les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, donc l'ouragan, l'engloutissement dans les profondeurs de la terre, etc., etc. Donc, dans cette histoire-là de songe de Polyphile, il y a le labyrinthe, il y a la descente dans le sous-sol de la terre, et il y a la rencontre avec un ermite, tel personnage. Bon, tout à fait des trucs initiatiques classiques, hein, et symboliques qu'on retrouve partout. C'est pas très original par le contenu. C'est original qu'à cette époque-là, ça n'avait jamais été fait et que c'était vraiment un best-seller, entre guillemets, quoi. Une synthèse totale de tout Voilà, et dans l'élite de l'époque. Alors on dit qu'après, sans que ce soit plus diffusé, mais ça a été repris dans les organisations rosicruciennes, dans la franc-maçonnerie, qui ne pouvaient pas ne pas connaître ce livre-là. Bon, puisqu'ils ont repris aussi une partie enseignement templier, puisqu'il y a des degrés stricte observance templière, des choses comme ça. Donc, on a repris un petit peu des thèses alchimistes, des thèses anciennes, plus anciennes, de Pythagore, etc. On verra comment l'origine de la franc-maçonnerie dans la prochaine conférence, puisque 18e siècle, philosophie des Lumières et développant la franc-maçonnerie, puisqu'officiellement, en Angleterre, c'est 1717. Et après, ça s'est répandu en France avec Lafayette, etc., puis d'autres personnes. Et le troisième livre, alors, vous allez dire que là, l'auteur est connu, les livres aussi, mais des choses pas du tout. Donc, c'est Rabelais. Alors, tout le monde connaît Rabelais, hein, qui d'ailleurs est né à Chinon. Et donc, Rabelais passe pour quelqu'un de très, comment dire, pas très humoriste, hein, très, très truculent. Alors, c'est des géants, hein, Gargantua, Pantagruel, etc. Il y a toujours des batailles absurdes menées par le roi Picrocole, etc. Il y a une abbaye où il y a tout le contraire des abbayes traditionnelles, qui est l'abbaye Thélème, où la devise est fait ce que voudra. Alors c'est l'inverse des abbayes catholiques. C'est le contre-pied des règlements. C'est qu'on s'amuse quasiment comme des fous là-dedans. Et il y a beaucoup de choses érotiques. On a même trouvé des passages pornographiques dans Rabelais. Et alors beaucoup le thème du carnaval. Il y a bon une grande partie des livres, c'est des scènes de carnaval. On aimait bien au Moyen Âge et à la Renaissance le carnaval. Quand on pense carnaval, on pense toujours à Venise, justement. Et qui dit carnaval, ben dit le déguisement, le masque. Qu'est-ce qu'il y a sous le masque? Ben, il y a le visible et l'invisible, etc. Et on retombe, hein, dans des choses très, très particulières. Le carnaval se veut grotesque, mais il ne l'est peut-être pas, parce qu'on pense que ça a un sens. On inverse les valeurs dans le carnaval. Le pauvre peut se déguiser en riche, le riche en pauvre.
jouer un rôle qui n'est pas le sien dans la vie courante, bon, etc., etc. Et donc, alors, il y a 5 livres, hein, il y a Gargantua, Pantin Cruel, Panurge, alors maintenant on dit premier livre, deuxième livre, quart livre, cinquième livre, et alors, bon, de son vivant, Rabelais en a publié 4, et le cinquième livre a été publié assez longtemps après sa mort. Bon, sans doute à cause du contenu, quoi, ben, assez critique pour la religion et d'autres choses, mais il y a des secrets ésotériques dedans. Donc, à part ce qu'on lit à l'école, l'abbaye de Thélème, le géant Gargantua, etc., sa mère Gargamel et tout ce qui s'ensuit, ce serait un livre complètement crypté aussi. C'est-à-dire les secrets du grand œuvre alchimique et des données ésotériques seraient dans comment le livre en particulier, cinquième livre, où il y a cette histoire de la quête de la dive bouteille. Alors dedans, on raconte que un groupe de personnes va à la quête de la dive bouteille. Et quand, alors on va dans le pays de l'Anternois, en quête de la dive bouteille, et l'Anternois, donc on est accueilli par une belle madame qui s'appelle Dame Lanterne. Alors quand on s'y connaît un petit peu, on voit tout de suite que Dame Lanterne, c'est la lumière et la connaissance, parce que ça va toujours avec. Quand on a la lumière, on a la connaissance, et réciproquement. Dame Lanterne, bien conduit dans des souterrains, dans un labyrinthe, etc., où il y a un temple ancien, un hôtel et tout ce qui s'ensuit. On a la dive bouteille qui, bien sûr, peut être interprétée bouteille divine ou breuvage divin. On a l'élixir de vie, on a etc. Et on s'est plus ou moins aperçu, enfin les spécialistes, les exégètes, hein, que ce serait quand même une œuvre alchimique et ésotérique. Bon, ce serait quand même passionnant. Et alors moi je me suis dit quand j'ai appris ça, parce que bon, on n'apprend pas ça quand on est à l'école, hein, ni même plus tard, il faut être spécialiste de Rabelais, il faut en avoir entendu parler. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans le fameux cinquième livre, qui se trouve pas beaucoup, parce qu'on réédite beaucoup les 4 premiers, mais pas celui-là, qu'on appelle le cinquième livre. Dedans, je me suis aperçu d'un truc absolument invraisemblable, c'est qu'il donnait la date de l'Apocalypse. Alors, ouais. Alors, pas vraiment, hein. Je vous dis tout de suite, parce que sinon on le saurait et on l'aurait déjà dit. En gros, pour préciser, hein, il donnerait la date de ce qu'il croyait être l'Apocalypse, lui. Bon, en gros, ça correspondrait soit à l'avènement de l'Antéchrist, la date, soit ce qu'on appelle le deuxième avènement. Deuxième avènement, c'est le retour du Christ. Il avait calculé quand ces choses-là pourraient se produire. Donc, il faut voir dans le texte, c'est justement un cinquième livre. Il faut, alors pour le savoir, pour trouver la date, il faut faire un calcul invraisemblable avec les versets, des phrases particulières au milieu d'un hymne, d'une chanson. Par exemple, tel personnage va déclamer un poème. Il a tant de lignes, il a telle ligne, tel endroit qui signifie telle chose, un peu plus loin, un deuxième hymne, à dire telle chose, et alors ça joue par un système de numération, c'est-à-dire en gros il y a de la numérologie derrière, il faut numéroter les versets, par exemple s'il y a 15 lignes de 1 à 15, mais les numéroter dans l'autre sens, en prenant la 15e ligne vers la première et remontant, hein. Donc forcément, voilà, quand vous avez de 1 à 37, mais de l'autre côté, forcément, la 37e ligne correspond à 1, la 36e à 2, vous remontez dans l'autre sens. À un moment, vous avez une correspondance X de chiffres avec une phrase très particulière. Et si vous retrouvez la même phrase au même endroit, dans un autre truc, bon, et de fil en aiguille, en faisant des calculs absolument invraisemblables, c'est un vrai casse-tête, hein, vous avez raison, de dire, vous tombiez sur l'année 1999. Et avec d'autres passages, d'autres versets, vous tombiez soit sur le nombre 223, soit sur le nombre 322. Bon, qui est le même nombre, hein. Parce que quand vous regardez dans un miroir, 322, 223 par réflexion. Parce qu'à l'époque, la Renaissance, on aimait beaucoup les miroirs, on en mettait partout. D'ailleurs, dans les châteaux, il y avait des grands miroirs, alors c'est le reflet, la réflexion, le double, patati patata, hein. On l'utilise beaucoup, le miroir en magie, etc. Et donc, quand on s'est dit 322, 223, les grands spécialistes de l'Apocalypse savent tout de suite ce que c'est. C'est le nombre de jours de l'année, c'est le 223e jour à partir du 1er janvier. Et on tombe quand? On tombe le 11 août. Eh bien, vous aviez la date de la fameuse éclipse du 11 août 1999, écrite dans Rabelais au 7e siècle. Quand même. Alors, quand on le recoupe avec d'autres prophéties du même genre, d'autres personnes,
même des inscriptions dans des églises avec des phrases, il y a des lettres décalées, des lettres plus hautes que les autres, des lettres plus petites, des lettres plus hautes. Quand vous faites un calcul avec les nombres, vous tombez sur des nombres 33, des nombres 42, des nombres 108, des nombres machin, et vous retombez, quand vous faites un calcul, sur le 11 août 1999. Et dans Nostradamus aussi, puisque la fameuse quatrain de Nostradamus, en l'an 1090, et septième mois, et l'an 1090, etc., c'est 1999. 1099 et septième mois, c'est en gros, lui, il a trouvé juillet 1999, mais tous ces auteurs-là sont du XVIe siècle. Ils se sont donc aperçus, ils savaient qu'il y avait quelque chose de terrible qui allait se passer au 11 août 99. Maintenant, on sait ce que c'est la fameuse grande éclipse, et en ésotérisme, c'est l'ouverture de la phase finale du cycle. Donc, c'est pas encore l'antéchrist qui est là, mais peut-être qu'il est apparu dans un coin, mais il n'est pas encore dire, c'est moi, mais déjà né, déjà quelque part. Et deuxième événement, là, c'est faux, puisqu'on n'a pas encore retour du Christ, à l'heure aujourd'hui. Mais ça a une date très, très importante, parce que c'est plusieurs personnes regroupées dans tout un tas de documents. Donc, alors, Rabelais, pouvoir relire le cinquième livre. Oui, on va relire ça, Voilà, ces livres avec un autre regard maintenant. alors, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Il restait deux Écoute, choses à passer très vite. moi j'ai Donc, envie de te dire, on prendra le temps que tu es prêt à nous accorder. on a encore une dizaine de minutes. Donc, en gros, les tapisseries d'Adam et la licorne, vous l'avez là dans les photos. Ça doit être la 16. On va pas commenter non plus, hein, plusieurs heures de commentaires pour les tapisseries d'Adam et la licorne, mais vous dire au moins ce que c'est, pourquoi c'est intéressant pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hein. Elles sont au musée de Cluny, à Paris. Hein. Voilà. Alors vous en avez deux, il y en a six en tout, hein, qui officiellement s'appellent les cinq sens. Voilà, là vous avez la vue, hein, puisqu'on se regarde et on se voit. Là, vous voyez un miroir tenu à la main, et la licorne, parce que c'est les tapisseries d'Adam et la licorne qui se regardent dans un miroir et qui renvoient la face qu'on ne voit pas de face sur l'animal. Hein. Le miroir réfléchit de l'autre côté, c'est-à-dire justement le côté invisible qu'on peut pas voir, mais que là on voit. Hein. Alors vous voyez qu'il y a plein de fleurs, plein d'arbres, des un oriflamme, des animaux, etc. Vous voyez tout plein d'animaux dans le pays, tous ont un sens. Hein. S'il y a un lion, le lion a un sens. Hein. Si sa queue est levée ou enroulée à terre, ça a un sens. Vous avez un tapis qui forme une sorte d'île. Vous avez des genettes, vous avez des lapins, vous avez tout un tas de choses. Il y a des endroits où il y a des singes, il y a des renards, et tout ce que j'en suis, peut-être pas sur celle-là. Donc elles ont ces tapisseries, une histoire. Elles sont très grandes, hein, font plusieurs mètres sur plusieurs mètres. Ça couvre une salle entière du musée. Oh, la licorne, déjà un sens alchimique très prononcé. Donc ce serait une œuvre alchimique aussi. Hein. Voilà, et quand on atteint le stade final, on a la devise à mon seul désir, ce qui refait penser à Rabelais, fais ce que voudra, ce qui n'est pas une autorisation de toute licence et de la débauche. Hein. Ces formules-là veulent dire que quand on a dépassé la condition humaine normale, son désir et sa volonté ont réalisation immédiate. C'est-à-dire quand on dit à mon seul désir, c'est je décide que c'est. Et quand on fait ce que voudra, à condition de rester dans le bien, dans la tradition, etc., c'est en ce sens-là qu'il faut être pris, hein. C'est pas le désir humain classique. D'accord. Alors, là, si on faisait, par exemple, 2 heures de conférence, rien que sur les tapisseries d'Adam et la licorne, vous auriez 2 heures de commentaires de ce que vous voyez dessus. Bon, parce que là, vous voyez une dame très richement habillée qui transmet ses bijoux à sa servante. En gros, c'est sa connaissance qu'elle lègue en héritage à sa disciple sous la forme d'un coffre avec ses bijoux dont elle se dépouille parce qu'elle n'a plus besoin d'aucun bijou, elle a dépassé l'initiation, c'est le stade final, c'est la dernière mouture, etc., etc., etc. Officiellement, ça s'appelle tapisserie des cinq sens parce qu'il y a le toucher, l'odorat, le machin, mais c'est une œuvre alchimique. Et à la Renaissance, on pouvait faire des choses pareilles, des tapisseries de ce genre-là. Ça vaut une fortune, hein, c'est des mètres carrés, ça a été tissé, bon, certains disent dans les Flandres, certains disent dans le Sud, mais bon, c'est. Alors, son histoire, bon, je la raconte pas aujourd'hui, ce serait trop long aussi, c'est qu'elles ont failli être perdues, hein. On les a retrouvées enroulées dans un grenier.
Bon, quelqu'un dépliait cette trouvaille dans un grenier, dans le sud de la France, voilà, et on s'est aperçu que c'était cette tapisserie-là. Et donc on l'a montré à une célébrité locale qui est George Sand, et George Sand a compris tout de suite que c'était un truc ésotérique très très important et a sauvé les tapisseries. D'après ce qu'elle dit dans un de ses écrits, il y en aurait 8, alors il y en a 2 bon, qui ont été perdus, il y en a qui disent que ça n'a jamais existé, c'est 6, parce que les 6 ont déjà une cohérence en elle-même, quoi. Voilà donc pour les tapisseries. Alors, tout le monde peut aller les voir et tout le monde peut acheter la reproduction. Hein. Si vous allez au musée de Cluny, on vous vend sous forme de livre toute la reproduction, puis tous les détails, personnage par personnage, animal par animal. Ouais, puis au Hein. passage, les amis, pensez à regarder dans vos greniers s'il n'y a pas des trésors comme ça. Ouais. Donc, il a fallu l'intervention de George Sand et du fameux conservateur du patrimoine national qui s'appelait à l'époque, comment c'est un ami de George Sand, hein, celui qui a sauvé des tas de monuments, des tas d'œuvres d'art qu'à l'époque, on ne pensait pas pouvoir faire un Prosper Mérimée, qui était devenu un inspecteur des monuments nationaux et publics. À chaque fois qu'il trouvait un truc incongru, que les gens voulaient se débarrasser, lui, il les sauvait pour les musées. Donc, grâce à lui et à des personnalités locales, on a pu sauver des tas de choses. Donc, ça, c'est pour nous donner une idée, même si je passe très rapidement à quel point il y a des tas de choses qui concernent la Renaissance en tout domaine, parce qu'on peut avoir en alchimie les sculptures que vous avez vues tout à l'heure, les caisses en pain, les livres, et puis des tapisseries. Je dirais presque peu importe le support, du moment que vous ayez la transmission du message. C'est ça que ça veut dire. Alors, pour revenir à ce que je disais au début, mais alors la Renaissance, c'est passionnant, c'est positif. C'est tout ce qu'on veut. Eh bien, pour ce côté-là, oui, en disant si vous diffusez l'alchimie, l'ésotérisme, ben pourquoi pas, on est pour, encore que ça dépend duquel. Parce que l'ésotérisme, bon, il y a eu des événements qui sont un petit peu curieux. Par exemple, ces fameux songes de Polyphile, là, ça a été beaucoup, ce livre, hein, très curieux, a été diffusé par une société qui s'appelle Société du Brouillard. Donc c'est déjà très symbolique qu'une société secrète s'appelle Société du Brouillard. Alors on ne sait pas si ça fait allusion au brouillard, les brumes qu'il y a à Venise dans la lagune, au brouillard dans le nord de Bruges, Belgique, etc., où vous pouvez implanter cette société. Ça regroupait toute l'élite intellectuelle de l'époque, dont beaucoup d'imprimeurs, beaucoup d'auteurs, des alchimistes sans doute. Et ensuite, après, c'est devenu Société de l'Angélique, à la place de brouillard, parce que ça faisait peut-être mauvais effet le nom, et Société de l'Angélique, vous retrouvez ça partout dans l'ésotérisme des siècles suivants et dans l'affaire de Reine de Château. Et d'après notre fameuse connaissance très très célèbre, René Guénon, Société du brouillard à l'Angélique, c'est tout à fait lié à la centrale de contre-initiation. Donc là, vous avez bien un truc ésotérique, mais il est totalement négatif. D'accord. Vu Donc, les on va idéaux trouver de la médaille. diffusés dedans, et par cette société qui, bon, avait l'idée de détruire le trône, l'Église, toutes les institutions justement périmées et les temps anciens pour faire du nouveau, était dans l'esprit de la Renaissance et de la modernité, de choses comme ça. Et donc, pas dans le matérialisme, puisqu'ils s'occupaient d'ésotérisme, ils avaient une vision plutôt dans l'air du temps que dans la tradition. Mais est-ce que, juste une petite question, Michel, est-ce que le trône, par exemple, tel qu'on l'a connu en France, le trône de France, Oui. est quelque chose qui fait partie de la tradition primordiale? Alors, oui et non. C'est-à-dire, oui, dans son principe. C'est-à-dire que le roi, c'est l'unité, c'est le personnage central, à condition que le roi soit lui-même relié à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir de droit divin, d'où le sacre, parce que ça officialise son pouvoir, mais par rapport au ciel. Mais si c'est un roi au courant, un roi qui n'est pas sacré et un roi qui dévie, c'est-à-dire qui, comment dire, ne respecte pas la tradition, justement, parce qu'il fait son jeu, il devient un tyran, bien ceci, n'est plus du tout dans la tradition. Donc, en gros, la monarchie, en tant que principe, elle est considérée comme traditionnelle, et les personnages qui s'en servent ou autres, le sont pas. Donc, bon, puis il y a une déviation, hein. Il y a une malédiction. Nous, on a la fameuse malédiction des Templiers. Donc, quand vous avez un loulou comme Philippe le Bel ou d'autres rois, bon, ben, on se dit,
Vous verrez après, ben, j'en ai pas parlé là parce que j'ai sauté un petit peu les guerres de religion, Charles IX, etc., Catherine de Médicis avec ce massacre de la Saint-Barthélemy et autre chose. Bon, ils ont un peu coulé les principes transcendants, hein, si vous voulez. Alors là, j'ai plus le temps de parler des guerres de religion, mais des choses assez extraordinaires qui sont ésotériques en partie. Je sais pas si innocent que ça. Si tu as envie, on peut prendre un peu de temps supplémentaire. Ah, tiens donc. Mais c'est comme tu as envie, on en a déjà deux heures de conférence. C'est pas tellement que j'ai envie de prolonger, de déborder le temps qui m'est imparti. C'est en gros que ça fait partie de la Renaissance. C'est-à-dire la prochaine fois, j'enchaînerai le XVIIe siècle, donc les Rose-Croix, Richelieu, Mazarin, Trucmuche, Louis XIV, Versailles, dont le château est aussi ésotérique, et le parc est un parcours initiatique. Alors, voyez où on va dans ce genre de truc-là. Bon, parce que c'est pas fini, toutes ces histoires. J'allais dire, c'est pire après. Et donc, parce que la grande affaire en histoire officielle de cette époque, c'est les fameuses guerres de religion. Hein. Donc, forcément, une catastrophe au niveau historique et politique et ésotérique, ben justement ésotérique, c'est la déchirure de la chrétienté. Donc il y a une religion, elle est une, elle avait déjà été divisée par le schisme orthodoxe, et là on a la coupure avec les protestants. Hein? Donc bon, alors ça vient de Luther, tout le monde sait. Luther d'ailleurs qui avait curieusement dans ses armes personnelles, c'est-à-dire son blason, une rose et une croix. Alors on a dit oui, mais c'est pas parce qu'il met une croix, parce qu'il est chrétien, et une rose qui symbolise l'âme dans la religion, qu'il a été de l'ordre des Rose-Croix, mais ça fait très curieux quand même. Surtout que bon, il y avait déjà des symboles de ce genre à l'époque. Mais enfin, passons sur ce sujet. Bon, Luther a été très très choqué une fois en allant à Rome, parce qu'il avait rencontré avec le pape, parce qu'il avait demandé audience, de voir le luxe du Vatican et de... On est dans les années 1512, 1515, etc. Il en revenait pas. Et alors, ce qui l'a fâché complètement, c'est la fameuse histoire des indulgences. Les indulgences, c'était que le pape, pour pouvoir faire tous les travaux de, comment dire, d'embellissement de la cathédrale, vendait des remises de peine au purgatoire. Hein, c'est-à-dire, l'Église, après votre confession, concluez que vous alliez prendre au moins 3 siècles de purgatoire, vous alliez énormément souffrir, mais vous pouviez en enlever 50 années, je ne sais pas comment ils calculaient, mais de dire, ben, vous faites un don à l'Église hein, pour telle chose, et on vous fait une remise de peine. Donc ça s'appelle les indulgences. Ah, et les personnes qui avaient beaucoup fauté donnaient beaucoup, et comme ça, il n'y avait plus de purgatoire. Ils achetaient une place au paradis. Alors, les purs et les sérieux, quand ils auraient pris ça, ils auraient été scandalisés. Mais en plus, quelqu'un comme Luther, qui était très versé en Bible et en religion, a cherché dans les évangiles si le pape avait le droit. Et s'est aperçu, non pas qu'il n'avait pas le droit, que ça venait de sa propre initiative. C'était pas du tout de Jésus-Christ, un truc pareil. Surtout alors des trucs de finance, puis de financer des places dans l'au-delà. C'est pas possible, mais s'est aperçu que le pape faisait plein de choses. Pas forcément celui de ton époque, hein, mais tous les papes, qui n'est pas du tout dans les évangiles. Donc, le pape trahissait un peu le message, ou allait au-delà du message, etc. Et donc, Martin Luther a plus ou moins dit, ben, il y a des choses, c'est de votre cru, c'est pas dans le texte, à quoi la papauté répondait, mais le pape est tout puissant, représente Dieu sur la terre, les époques ont changé, donc on prend l'initiative pour adapter au 12e siècle, au 15e siècle, etc. Donc, on peut plus suivre le texte à la lettre. Ben, alors, pourquoi il y a un texte, c'est pourquoi on demande aux braves gens qui viennent à l'église de suivre l'enseignement de Jésus-Christ, quoi, ça n'avait plus tellement de sens. Et comme la querelle, c'est envenimé de deux côtés, il y a eu rupture. Donc, dans la fameuse histoire des 95 thèses de Luther, c'est qu'il a affiché les 95 propositions qu'il trouvait plus du tout très catholiques. Et à la suite de ça, c'est là le problème, c'est qu'il y a une grande partie des princes, des rois, etc., qui ont pris fait soit pour les protestants, soit pour les catholiques. Et que ça a dégénéré en guerre générale. Et au début, vu la sensation que ça fait, les protestants montaient beaucoup en puissance. Et là, il y a eu une réaction catholique, une réaction du pape, des évêques, de tout le monde, qui était bien sûr beaucoup plus puissant. La population restait globalement catholique, mais au fur et à mesure, les protestants sont montés en force. Hein. Alors, il y a eu des guerres de religion, donc entre les deux, de tous les côtés, hein, en Allemagne, à Prague, dans l'Empire d'Autriche, un peu partout, on pouvait avoir des protestants, hein. Sauf en Espagne et au Portugal, où c'était resté catho.
à presque 100%. D'ailleurs, en Angleterre, ben, c'est devenu protestant après. Pays-Bas, c'est devenu protestant. La Scandinavie, c'est devenu protestant. Ce l'est toujours, hein. L'Allemagne, moitié nord protestant, moitié sud catholique. Pologne, ils sont restés très catholiques. Autriche, est resté catholique. Donc, ça s'est divisé comme ça. L'Europe, maintenant, c'est bien divisé en deux. Et nous, on avait la moitié des deux, quoi. On avait des provinces, des villes, La Rochelle, Nîmes, tout ça, c'était protestant. D'autres, c'était archi-catho. Et guerre. Alors, bon, ben, des tas de batailles, hein. Des tas d'incendies d'églises, les protestants ont tout cassé, démolir les autels, les statues dans les églises, incendier les couvents, des trucs absolument abominables, parce qu'ils ont fait toutes ces exactions-là aussi. Les catholiques ont trouvé un temple protestant, bon, mais aiguillés, les gens mettaient le feu au temple et tout ce qui s'ensuit, puisque dans l'idéologie protestante, il ne doit pas avoir de culte des idoles, et ils assimilent le culte des idoles au saint et à la Vierge Marie, donc tous les statues de Vierge Marie, saint, étaient balancées. Alors, réaction catholique, bien sûr, c'est désembroché, parce qu'il faisait beaucoup trop de dégâts, et puis, bon, à un moment, il y avait des trêves. À un moment, on essayait de calmer la population. Et justement, on avait invité à Paris tout le parti protestant, tous les grands chefs protestants, etc., pour le fameux mariage de la reine Margot avec Henri de Navarre. Mais il y a eu un complot pour profiter de liquider tous les protestants, c'est-à-dire tous leurs chefs en même temps, à ce moment-là. Donc, ces fameux massacres de Saint-Barthélemy, 1572, massacre gigantesque, hein, de centaines et de milliers de protestants, et le lendemain, un ordre en province pour faire la même chose dans toutes les villes. Donc, ça a été suivi de Saint-Barthélemy local, multiple. Donc, ça a été un carnage, quoi, il faut bien le dire. Hein. Le roi de l'époque, c'était le fameux Charles IX, et Charles IX avait dit à sa mère, « Bon, ben, mère, vous êtes responsable, mais il faut pas qu'il y en ait un qui survive. » En gros, hein, c'est pas exactement cette phrase-là. En gros, je veux pas qu'il y ait un survivant pour me reprocher le massacre, c'est-à-dire tous disparaissent et pas de procès futur pour moi parce que j'ai rien fait. Alors c'est le problème, voilà. Alors le problème, c'est qu'après cet événement, c'est dit qui est responsable. Alors c'est là qu'il y a eu des entourloupettes extraordinaires. C'est que le roi, qui bon était assez faible, hein, avait très peur. D'avoir beaucoup de soucis avec la population, le parti catholique, etc., n'a pas trouvé mieux que d'accuser le duc de Guise d'être responsable. Alors, le duc de Guise, c'était le grand chef des catholiques. Il avait constitué une ligue, qu'on appelle la Ligue catholique, dirigée par lui, duc de Guise, qui est un duc de Lorraine, hein, donc on va retrouver la Lorraine là-dedans, et qui avait tout le soutien de la population, puisque le roi faisait rien pour éliminer l'hérésie protestante et le duc de Guise, oui, parce que lui faisait les batailles, il embrochait machin, lui menait les combats. Le roi, il est toujours en train de peser le pour et le contre entre les deux pour trouver une paix plus ou moins compromettante. Donc, disons, il y a eu l'assassinat d'un grand chef protestant qui s'appelle Coligny, et on a accusé, alors c'est pas le duc de Guise qui l'a tué, mais on a accusé que la propagande, l'idéologie du duc de Guise aurait armé le bras de l'assassin de Coligny. Et disant, si les protestants ont voulu se venger en faisant des exactions, etc., c'est pour venger la mort de ce Coligny, grand chef protestant. À la suite, représailles, machin, l'engrenage habituel, et dire, ben, à l'origine de ça, il y a le duc de Guise. Bon, dans la réalité pratique, en clair, on sait maintenant en histoire, ça vient de Catherine de Médicis. Alors, elle a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, son fils étant, pas tellement au top niveau, on dirait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu l'idée de faire? Elle a fait le calcul suivant. Je vous rappelle qu'elle est de la famille des Médicis de Florence, tout à fait ceux qui sont à l'origine de la Renaissance italienne et des nouvelles et tout ce qui s'ensuit, hein, etc. Elle est d'une famille qui a d'ailleurs eu deux papes, qui a eu tout un tas de chefs de guerre, les fameux Laurent de Médicis, hein, tout ça, c'est archi connu, etc. Donc, elle a fait le calcul suivant. Le parti protestant en France est devenu beaucoup trop fort. C'est un État dans l'État, il faut l'éliminer. Et le duc de Guise, qui a un répondant assez fort, et la population, bien sûr, catholique derrière lui, est beaucoup trop fort. Ça porte ombrage à la monarchie, on va liquider les deux. Donc, ils ont éliminé le parti protestant, en coupant la tête, en détruisant, en éliminant les grands chefs, et puis après de dire, reste le duc de Guise est éliminé. Ben, vous savez ce qu'ils ont fait pour l'éliminer? Ben, il a été assassiné. Oui, c'est-à-dire que
à la suite de discussions pour dire lui, le duc de Guise, il faut continuer la guerre contre les protestants, il ne doit plus en avoir, il faut poursuivre la guerre à l'étranger parce qu'il y en a tout plein, il passe les frontières aux Pays-Bas, en Allemagne et de ce qui s'en suit. On dit, bah, écoutez, venez discuter. Alors le roi était en résidence privée à Blois, discuter à Blois, il y en a qui se sont inquiétés, vous avez une toute petite escorte, vous savez pas, il y a plein de spadassins dans le coin, non, puis de toute façon j'ai pas peur, de toute façon un grand guerrier comme moi, bon, le duc de Guise ne peut pas se permettre de se dérober. Donc lui est allé, et bien il est assassiné. Donc le roi s'est entretenu avec lui, derrière les tentures, et tout un tas de types avec des épées, des poignards, ils ont été 10, 15, 20 à se jeter sur lui, à tirer son épée et complètement lacéré. C'est là qu'il y a la fameuse formule, il est encore plus grand mort que vivant, c'est cette histoire-là. Parce qu'il était très grand, très, très baraqué, faisait, je crois, presque 2 mètres. Donc, on savait que c'était, il était très grand homme dans un personnage historique et très grand homme physiquement. D'où la formule de Charles IX, il est encore plus grand mort que vivant. Et voilà, il est assassiné à Blois comme ça. Pour tous les généraux dans le pays, une indignation inimaginable, une catastrophe, les gens faisant des pèlerinages partout, des cérémonies de prière en l'honneur du duc de Guise et son âme monte au ciel. À Paris, un défilé de 100 000 personnes entre Notre-Dame et l'église Sainte-Geneviève. Les gens avec les torches, les bougies, les flambeaux dans la rue pour prier pour le duc de Guise. Le roi, reine Catherine de Médicis, est complètement décomposé. C'est l'horreur. Qu'est-ce qui va nous arriver? La population va prendre le palais d'assaut. Et alors, un groupe est rentré dans l'église Sainte-Geneviève. On a éteint tous les bougies pour dire, comme la vie du duc de Guise s'est éteinte, ses bougies s'éteignent, mais nous souhaitons que la dynastie des Valois s'éteigne aussi. Les Valois, c'est les rois qui sont là au pouvoir. Eh bien, c'est tout à fait ce qui va se produire dans les années qui suivent. Il est arrivé exactement la même chose que du temps de Philippe le Bel. Alors, si vous vous rappelez l'histoire de Philippe le Bel, quand Philippe le Bel est mort, à la suite d'un accident de chasse, c'est très curieux à cause du fameux sanglier qui a effrayé son cheval, bon, etc., qui est mort la même année que Jacques de Molay, les Templiers et que le pape, ils sont tous morts. La même année, 1314, puis Philippe le Bel avait 3 fils. Donc, on est tranquille qu'on a 3 fils, hein. Parce que s'il y en a un, à l'époque, on pouvait mourir à la bataille, mourir d'une maladie infectieuse, mais quand on en a 3, ça va venir, mais ils sont morts en un tout petit nombre d'années. Et quand après, dans la généalogie, on s'est trouvé qui pouvait être le successeur du roi de France, ses 3 fils héritiers directs avaient disparu, on a trouvé une branche collatérale. Donc, on n'était plus, à l'époque, on terminait la lignée capétien direct pour avoir les fameux capétiens valois. C'est là que cette branche-là des capétiens est arrivée au pouvoir. Mais du coup, avec les mariages des filles des uns, des cousines des uns des autres, c'était le fameux roi d'Angleterre qui se retrouvait prétendant la couronne de France. Parce qu'à un moment, il avait épousé, je ne sais pas quelle princesse qui faisait qu'il avait autant de prétentions qu'un autre qui était à égalité de droit, d'où la fameuse guerre de Cent Ans, ça vient partie de ce problème. Et l'autre dirait, ben, c'est la malédiction des Templiers qui a fait mourir très très vite pour créer une querelle dynastique, pour créer le chaos, pour créer le machin, puis après c'était le chaos, hein. 14e siècle, 15e siècle, c'est la guerre de Cent Ans. Et on a la même chose à cette époque-là. C'est-à-dire que Catherine de Médicis a un mari qui s'appelle Henri II. Henri II, c'est un très bel homme, très beau guerrier aussi, il aime bien faire les tournois, il est tué dans un tournoi d'ailleurs, en faisant une joute parce qu'il aimait bien ça. C'était prédit par Nostradamus, que le roi serait tué par une lance qui s'enfoncerait dans son casque d'or et qui est passée dans la fente du casque et s'enfoncer dans l'œil, à transpercer le cerveau, etc. À la suite d'un micmac, pas possible, oui, c'est affreux. Mais bon, dans le texte, il y a ça, hein, je sais pas, objet pointu dans casque d'or pénétrera et le roi décédera, un truc de genre là, hein, je sais pas bien, quatrain. En plus, alors, bon, on sait toujours pas si c'est un coup monté pour l'éliminer ou pas, parce que normalement, quand on fait un tournoi, surtout avec des grands princes, on veut pas qu'ils meurent dans le tournoi, donc on émousse les lances. Soit on met une boule au début, soit on arrondit le, puis on prend des lances en bois, pour les arçonner, pour des lances en fer, ou on met un, enfin, une mousse, je sais pas quoi. Et alors là, curieusement, quand il y a eu la première passe d'armes, le croisement des lances, il y a une lance qui s'est brisée. Donc, celui qui combattait Henri II, mais on n'a pas du tout pensé à regarder la lance pour arrondir la pointe. Elle avait été cassée en biseau. Et quand il y a eu la deuxième recharge pour croiser les lances, la lance est curieusement et comme par hasard passée à travers la visière du casque.
en français dans le roi, donc Henri II est mort. Du coup, Catherine de Médicis, veuve, a exercé la régence. Bon, puis après, on s'est dit, on est tranquille, puisque le roi a trois fils. Donc, on a retrouvé François II comme roi, Charles IX, celui du temps de la Bastille, puis après Henri III. Henri III, dans l'entre-deux, était devenu roi de Pologne, faut le faire, parce que comme il y avait deux frères aînés pour gouverner à sa place, et qu'il y avait un trône vacant en Pologne, les Polonais ont réclamé, dire la valeur de notre dynastie. Hein. Il fallait que quelqu'un de la famille royale de France devienne roi en Pologne, lui est allé, ministre de la Pologne. Puis soudain, comme les deux frères précédents sont morts, assez vite, hein. François II a régné quelques années, et Charles IX, eh bien, il a été tellement tourmenté par cette histoire de Saint-Barthélemy qui commençait aussi un peu déliré comme Charles VI, et être très malade, etc. Bon, il est vite passé, on a rappelé Henri III. Henri III est revenu, alors lui, c'est aussi un solide gaillard, pas de problème pour régner très longtemps, mais il est assassiné. Ce qui fait qu'on a la deuxième fois la même histoire. Les trois rois ne tiennent que quelques années au pouvoir et sont éliminés, et on se retrouve avec une succession très bizarre. Donc après, ça passe aux Bourbons. Après Henri III, vous avez Henri IV, et Henri IV est prince de Navarre, etc. On change de branche. Bon, certains diront, c'est encore la malédiction des Templiers, parce que malédiction des Templiers, c'est cette fois, je ne sais pas combien de générations. Donc, et à chaque fois, on a un scénario qui élimine une branche, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de branche. Pas du tout, tout à la fin. Oh, voilà un peu, vous voyez que c'est une histoire très très curieuse. Et il reste une dernière chose à faire, c'est que à la Renaissance, quand elle met fin, eh bien, à toutes les églises gothiques, à toutes les églises romanes, à tous les écrits dits fantastiques, mystérieux, légendaires du Moyen-Âge, donc c'est les images que vous avez au début. Vous voyez, par exemple, la Troie, Mélusine. Hop. C'est le numéro 3. Ouais. Alors, au Moyen-Âge, il y avait des choses très, très importantes qu'on lisait, qu'on aimait bien, mais c'était très fantastique hein, comme roman. Les fameux romans du Graal hein, et l'histoire de la fée Mélusine, la fée serpente, hein, qui avait épousé un prince lusignan d'Anjou, etc., qui était une splendeur aussi comme femme. Mais il ne fallait pas rentrer dans sa chambre et la voir le samedi. Parce que il y avait un secret et que le jour où il serait trahi, eh bien, elle s'en irait. Alors le prince Lusignan en question n'osait jamais faire ça. Il savait que sa femme prenait un bain, mais il savait pas ce qu'elle faisait dans sa chambre. Et puis, bien sûr, pour la légende et l'histoire, et vous comprenez, la curiosité a fait que, eh bien, il a regardé, alors, soit par le trou de la serrure, soit il est rentré. Mais Lusine s'en est aperçue et bon, elle est sortie par la fenêtre. C'est ce que vous voyez dans l'image de gauche. Hein. Mais avec sa tenue réelle, de sa nature, c'était une fée serpente. Alors ça, on s'est beaucoup passionné pour ces histoires au Moyen-Âge. On aime beaucoup les sirènes, les animaux composites, les bestiaires fabuleux, des choses comme ça. Vous voyez. Donc ça, on n'a plus du tout aimé ce genre de littérature après, plus du tout aimé les contes du Graal. On a fait plutôt Songe de Polyphile, beaucoup plus moderne, beaucoup plus alchimique, etc. Et puis la précédente, ou la suivante, c'est des églises, c'est la 4. Voilà. Alors, style roman, vous voyez, avec les arcs de cercle, bien sûr les voûtes, en 2001, romain, appelé ensuite au Moyen-Âge un roman, là c'est Vézelay, hein, comme lieu. Alors ça finit depuis très longtemps, même avant le gothique, mais on ne construira plus jamais de choses comme ça. Et en dessous, le dernier stade du gothique, donc il faut descendre un peu l'image, voilà. Dernier stade de gothique, il y a trois époques du gothique, hein. Gothique primitif, gothique classique dans le milieu en chronologie, et ensuite gothique flamboyant avec des choses plus ou moins en dentelle, hein, avec beaucoup d'arabesques, beaucoup de fioritures, beaucoup de décorations, et des clochers faits comme ça, là, c'est Notre-Dame de l'Épine, c'est du côté de Troyes, hein. C'est entre Chalon-sur-Marne et Troyes. Alors, pourquoi je vous montre cette photo-là? Parce que c'est quasiment l'une des dernières cathédrales qui était construite. Alors après, on a réparé les anciennes, on a fait une aile supplémentaire, on a refait des toitures, bon, etc. On a rajouté des arcs-boutants ou tout ce qui s'ensuit, mais on n'a plus du tout fait de cathédrale ou d'église moderne. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la Renaissance, c'était fini l'édification de ce genre d'édifice religieux. Ouais, voilà.
Et on a fini en gros tout ce qui était art gothique et construction de bâtiments religieux qui symbolisaient le Moyen Âge, quoi, hein, puisque là on est au 15e siècle, parce que forcément Notre-Dame de Paris, Reims, etc., c'est bien antérieur à cette cathédrale-là. Et d'ailleurs celle-là, où elle est située, finit au niveau du sol la représentation de la constellation de la Vierge sur place, hein. C'est-à-dire qu'en gros, les cathédrales Notre-Dame du nord de la France représentent au niveau du sol la constellation de la Vierge. Et quand il manquait une d'étoile pour finir la forme géométrique, ça tombait à Notre-Dame de Lépine. Voilà. Et puis D'accord. il restait 14 châteaux. Voilà, parce que vous allez voir château style Renaissance par rapport à château fort médiéval. Ah, attention, des châteaux Renaissance. Il y en a une centaine. Hein. Vous avez Villandry, Valençay, Azay-le-Rideau, bon, etc., etc. Et là, alors, vous voyez, Château Renaissance, c'est comme ça. Il y a encore un peu les tours, les pointes, etc., comme au Moyen Âge. Mais on sent bien avec les fenêtres, la disposition, la couleur blanche. Bon, c'est la résidence, quoi. C'est château résidentiel. Alors, j'ai mis Ussé parce que Ussé était très célèbre parce que c'est le château de la Belle au bois dormant. C'est-à-dire Perrault aurait écrit ses contes et légendes au château d'Ussé. Donc il y a dans une pièce, alors j'espère que ça existe encore, l'histoire de la Belle au bois dormant qui est mise avec des statues de cire, etc. Et en dessous, vous avez l'un des plus célèbres châteaux de la Renaissance hein, qui est Chenonceau. Voilà. Alors les reines et princesses de la Renaissance, hein, 16e siècle toujours, donc je suppose les Marie ou Catherine de Médicis adoraient aller à Chenonceau, alors très original aussi comme construction, hein, puisque là on traverse d'une rivière et avec les fameux parcs à la française, hein, géométriques, etc. Alors bien sûr, ça ne ressemble plus du tout à ces forteresses médiévales avec des hautes tours, des créneaux, des ponts-levis, des fossés, etc. En gros, c'est château mais résidentiel, quoi. Hein, C'est ça. et vallée de la Loire choisie par les rois parce qu'il y avait, ben vous le voyez là sur la photo, immensément de forêts pour la chasse et aussi un climat relativement favorable. Trop chaud dans le sud, trop froid dans le nord, mais la douceur angevine dans la vallée de la Loire. Voilà. Et la dernière image, c'est la 2. Et on finit là-dessus. Après, vous êtes libéré de moi, numéro 2. Bon, mais je crois que les Nuréens ne se plaignent pas d'avoir du rab. Alors la 2, c'est voilà, c'est le chevalier Bayard. Alors il faut remonter encore un peu parce que là vous voyez que le derrière du cheval, donc c'est plus haut. Alors attends, je suis en train de la régler, les gens ne la voient pas pour l'instant. Voilà. 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 Alors que vient faire le chevalier Bayard là-dedans? Ben, c'est le dernier chevalier. En gros, la chevalerie était déjà très mal en point pendant la guerre de Cent Ans, perdant beaucoup de batailles. Quand il y a eu les progrès de l'artillerie, les bombardes et les armes à feu, les arquebuses, etc. Bon, bah, les chevaliers sur le champ de bataille ne pouvaient plus faire la différence. On a continué à honorer la chevalerie parce que c'était très beau comme idéal. Et puis les chevaux, les armures, les oriflammes, les blasons, etc. Mais en gros, 15e siècle, c'était fini. Et dernier où il y a encore eu des grands, grands chevaliers, Bayard, c'est 1515, c'est à Marignan. Donc, il a défendu un pont tout seul contre une armée d'Espagnols. Bien qu'on soit à Marignan en Italie, c'était des Espagnols qui combattaient là, et il a défié chaque chevalier un par un. À la fin, il y a eu une ruée de soldats que vous voyez là, et il les a quasiment tous décimés avant de se retirer. Quand même, à la fin, épuisé, les autres s'est retiré. Mais ça a permis à notre armée de se replier, de se regrouper, de se mettre en bon ordre et bon, d'être en partie sauvée de quelque chose qui aurait pu être une défaite. Voilà. Alors, ce pauvre chevalier qui faisait merveille sur le champ de bataille à l'arme blanche, eh bien, a été tué par un coup d'arquebuse. Alors, bon, l'arme à feu a vaincu le chevalier, et après, il n'y a plus eu vraiment de chevalerie militaire. Il y a eu des ordres de chevalerie honorifique, disons, on regroupait des chevaliers et on continuait d'enseigner l'idéal chevaleresque, mais on n'était plus opérationnel sur les champs de bataille. Voilà. Et en dessous, donc vous avez la petite image en dessous. Ah, c'est en partie une légende. Certains disent que c'est vrai, d'autres c'est moins vrai. C'est le chevalier Bayard, vous voyez à gauche, qui adoube en tant que chevalier le roi François Ier lui-même. Alors c'est une curiosité, parce qu'en général, les rois, quand ils sont sacrés, ont tous les indices de la chevalerie, c'est-à-dire qu'ils sont désignés comme chevaliers en même temps. Hein?
Et alors là, bon, bah, c'est très curieux. Ça fait allusion à plusieurs choses. Ça fait allusion que on n'est pas forcément chevalier parce qu'on est noble ou roi. On est chevalier. On peut être de totalement insignifiant, inconnu d'une profession tout à fait ce qui est plus banal parce qu'on est adoubé chevalier sur un champ de bataille pour fait de bravoure. Pour être un héros, en gros. Donc, un roi, adoube, un chevalier, quelqu'un qui n'est pas de la noblesse du tout. Et donc, alors qu'un chevalier, adoube le roi en tant que chevalier, prouve, bien entendu, là, la valeur du chevalier en question. Mais comme l'image a été faite 10 ans après la mort de Bayard, on se demande, si c'est pas inventé, quoi. Parce qu'on n'a aucune preuve historique que ce soit passé, comme ça. Mais bon. Ça montre bien qu'un chevalier pouvait avoir un honneur considérable dans le pays et pouvait adouber en tant que chevalier le roi lui-même. Mais c'est la fin de la chevalerie. Donc tout finit, l'art gothique, les églises, les cathédrales, les romans de chevalerie, la chevalerie elle-même, les ordres templiers, il n'y a plus rien de tout ça, la Renaissance. On est dans l'économie, la comptabilité, le commerce, la découverte des Amériques, les sciences, le monde moderne. Et on arrête là. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, on a compris cette renaissance, comme tu l'as dit en formule, il y a du positif et du négatif. Mm-hmm. Un pas en avant vers le matérialisme. Ben, en gros, on a mis le doigt dans l'engrenage là, hein, parce qu'après, ça va faire se prolonger. Hein. Quand il y a la révolution, la bourgeoisie triomphe avec le tiers-état de la noblesse et du clergé, l'Empire fait la guerre partout, et après, vous avez la révolution industrielle du 19e siècle. Bon, on remplace la diligence par les machines à vapeur. Bon, voilà. Et donc, forcément, on va dans le sens de la modernité. Il y a toujours des personnes qui diront, oui, mais en quoi c'est mal? On peut pas rester, comme disait le général de Gaulle, à la diligence et à la bougie. Oui, d'accord, mais pour aboutir au monde qu'on a aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Syrie, ou en Birmanie, ou au Congo, ou truc, vous dites, vous avez gagné quoi de l'évolution, de l'économie par rapport à la spiritualité? Que les gens recherchent maintenant la spiritualité en s'adonnant, je ne sais trop quelle recherche, quelle méthode de développement personnel. Elles vont en Inde faire des trucs mystiques. Voilà, on ouvre des écoles de soufisme, de trucs tibétains, etc. Pour dire, ben, il faudrait retrouver un peu de spiritualité. On l'avait à une certaine époque, on l'a perdu. Presque volontairement. Mais c'est la décadence cyclique des temps qui veut que ce soit obligatoire, que ça s'effondre comme ça au fur et à mesure. Quoi. Tous les combats sont des combats d'arrière-garde, parce qu'on ne peut pas remettre en cause la décadence cyclique. On peut guerroyer à titre individuel pour sauver sa propre conscience, sa propre valeur. On ne coule pas avec le navire, on essaie de rester debout, mais le cycle se termine quand même, ça sera pire demain. C'est inéluctable. Ouais, voilà. Pour toi, c'est inéluctable. Ben, c'est ce que dit la tradition, hein. Si c'est l'inverse, on verra. Hein. Oui, bien sûr. Si le cycle n'arrive pas au bout et qu'il y a soudain un redressement et que demain tout aille mieux dans tous les domaines, on révisera le jugement, mais pour l'instant. Voilà, on arrête là. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Il est très charmant, numéro 1, de devoir cesser. Et j'ai déjà prolongé de 20 minutes, même une demi-heure. Encore une fois, pour notre plus grand plaisir, et vraiment, je crois que cette petite demi-heure a fait plaisir à beaucoup de monde. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. J'aurais une petite question à te soumettre, une seule ce soir, une question d'Audric qui nous dit, on va revenir sur la diapo de ce fameux adoubement du roi par le chevalier Bayard. Une question assez technique, alors peut-être tu n'auras pas la réponse, et si c'est le cas, on t'en voudra pas. Audrey qui nous demande, le roi porte le collier d'un ordre. De quel ordre s'agit-il? Oiseau d'or, d'annonciade. C'est sûr que c'est d'un ordre de chevalerie, mais alors là on voit pas bien parce qu'il faudrait, si c'était la toison d'or, il y a un bélier qui symbolise l'histoire de la toison d'or. Et à ma connaissance, il est pas fait comme ça. En bas, sous la main, là, il est pas fait comme ça. D'accord. Mais donc déjà, ce serait pas la toison d'or. C'est vraiment un truc d'une confrérie et un grand collier de chevalerie, oui. Mais là, je ne peux pas dire laquelle. Il faudra avoir un gros plan que sur le collier. Mais bon, on peut faire des recherches pour la prochaine fois. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Pour le chèrement correspondant. Et là, bon, ben, allez. Ben, les amis, les Nuréens, si vous savez ce qu'il vous reste à faire aussi, trouver des photos de cet événement, comparer, faire vos recherches et puis les partager avec nous. Il n'y a pas de raison que ce soit Michel qui fasse tout le travail.
Ils peuvent tout approfondir dans tous les sujets auxquels ce soit. Un petit commentaire de GLEC qui nous dit non, attendre encore un mois, Sniff. Parce qu'effectivement, on poursuit cette histoire secrète de France, je crois, le 17 avril. Oui. On a déjà pris rendez-vous pour le prochain épisode, si je peux m'exprimer ainsi. Okay. Et donc, on reprendra la suite, donc après cette fameuse renaissance. Et on verra jusqu'où le direct nous-mêmes pour la prochaine fois. Après, j'espère quand même aller jusqu'à la Révolution et la raconter, parce que c'est aussi, ça ne sera pas du tout l'histoire officielle. Oui, j'imagine, parce qu'encore une fois, on l'a bien compris. Il n'y aura peut-être rien de même officiel. Et ce sera anti-officiel, d'ailleurs. Je sens ça. Et je pense qu'il va y avoir des grands hauts, des grosses surprises, parce qu'on l'a vu sur la Renaissance aujourd'hui, sur la Révolution, on a tendance à l'idéaliser, à en faire quelque chose de très positif pour l'avancée de notre civilisation. Peut-être que tu vas venir nuancer tout ça un petit peu la prochaine fois, et je dis peut-être, j'en suis même quasi certain. Merci. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup, Michel. Un grand merci pour le temps que tu nous accordes et à très bientôt sur Nuria. Merci beaucoup. À plus. Les Nuréens, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Moi, j'en ai appris beaucoup encore ce soir et je sais que je ne suis pas tout seul et vraiment hâte d'être au 17 avril pour la suite de cette histoire secrète de France. Avant de vous laisser, juste, je vous fais une petite présentation des émissions qui vous attendent dans les jours à venir sur Nuria TV. Et vous allez voir qu'il y a encore des très très bonnes choses. Je partage ça. Donc ça, c'est un court vidéo. C'est Nora, demain, qui accueille Michel Guenier sur notre antenne. C'est un court vidéo dédié aux relations sentimentales et à la dépendance affective. Voilà, ça, c'est prévu pour demain soir. Alors là, attention, tenez-vous bien. Mardi prochain, eh ben, Nora et moi, on sera tous les deux à l'antenne et on aura le plaisir d'accueillir pour la première fois sur Nuria TV Jean-Pierre Petit. Ça fait des mois que vous nous le demandez tous et j'imagine que vous allez être nombreux devant votre écran mardi prochain, donc à 8h30, en compagnie de Jean-Pierre Petit. Et autre émission prévue la semaine prochaine, et là aussi, je sais qu'il était attendu, puisque c'est une émission qu'on avait prévue en décembre et que, pour les raisons que vous connaissez, nous avions dû reporter. C'est vendredi prochain, Nora qui aura le plaisir d'accueillir Gundal sur l'antenne de Nuria TV pour une émission consacrée à son œuvre artistique. Et l'émission s'intitule « Artistes connectés quand l'inconscient nous parle ». Voilà, ça c'est le programme. Quand vous a concocté, pardon, je vais y arriver, concocté, voilà, c'est bien mieux, sur Nuria TV pour les jours à venir. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Pour celles et ceux qui souhaitent participer au cours demain, n'hésitez pas à vous inscrire et vous êtes en tout cas les bienvenus. Passez une bonne fin de semaine, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas les Nuriens, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt, merci.